Bonsoir tout le monde. Enfin, je crois. Alors, c'est bizarre. Ah, si, on est 8. Oh, dis donc, on est 8 d'un seul coup. Extraordinaire. Salut tout le monde. Bonsoir Thierry. Thierry est un habitué. Thierry Var. À ne pas confondre avec Thierry War, qui est un ancien guerrier d'une tribu de barbares sanguinaires venus des montagnes grises. Non, Thierry Var, c'est plutôt ambiance pastis, c'est tout ça, c'est plus souple. Donc je suis confiant, je mets donc le premier like. Thierry, respect. Respect Thierry, parce que faut avoir dans le pantalon, comme on dit, hein, pour mettre le premier like. Je vais centrer ma tronche. Voilà, on est bien. Je tourne un peu l'écran. Touk touk. Salut Tonio Ruben, salut Laurent Boucher, bonsoir Datsu et bonsoir Chris. Chris de manière avec qui? Avec Christian et un autre pote. On a terminé clos à Marvel Champions. Et on n'est pas peu fiers. Voilà. On l'a vraiment descendu, on l'a mis minable, plus bas que terre. Et là, prochaine étape, on va attaquer Ultron. Ah, ça va être un peu plus dur. Bonsoir, Elisabeth Isidoro. Une fille, peut-être. C'est extraordinaire. Peut-être la première. Bon, il y en a peut-être une autre, hein, mais. Enfin, si, Elisabeth, je pense que tu es une fille, normalement. Pff, après, à notre époque, comme on dit. Hein. Hello tout le monde. Hello Arnaud. Bah, dis donc, on est du monde, hein. C'est sympa, c'est bien. C'est gentil d'être venu, comme on dit. Bah, installez-vous confortablement. Et puis ben, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, eh ben, on va continuer la peinture de pas si petit que ça quand même, de notre gros Bane, pas Brain. Eh, tu vois, tu rajoutes un R, ça fait Brain. En anglais, ça veut dire cerveau. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du bonhomme. Hein. C'est pas le genre à être hyper développé au niveau matière grise. Hein. C'est pas trop son truc. C'est plutôt la culture du muscle. Donc ben voilà, et donc on va continuer, puisqu'on a décidé lors du précédent live, outre le fait d'avoir abordé la quatrième dimension, les séries de notre époque, hein, de quand on avait pas si vieux que ça, hein, parce que bon, on a trentaine, quarantaine. Pour certains, eh ben, on parlait des vieilles séries et puis on avait parlé de la quatrième dimension. Alors je voulais revoir des épisodes de la quatrième dimension parce que ça m'avait bien hypé et j'ai eu une semaine de dingue, j'ai pas pu faire. Pas pu faire, j'ai pas pu faire, voilà, j'ai pas regardé. Donc c'est pas bien. C'est mal, comme on dit. Mais voilà. Et donc on va continuer la peinture de Monsieur Bane. Donc on avait fait la peau, on avait bien avancé sur la peau, hein. On a quasi terminé en fait, hein. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser un peu les éclaircissements. Oh, on a perdu du temps, on s'est fait plaisir. Enfin, on a perdu du temps. Parce qu'on a fait des dégradés subtils, on a essayé de faire un peu dans le classieux, quoi. Ça a un peu de la gueule. Et du coup, bah, on s'est fait plaisir sur les fondus, les patins comme ça. Mais on s'est dit qu'on ferait un beau Bane. Hein. On était parti là-dessus, hein, les copains. Hein. Qu'on allait se faire un truc un peu joli, sapintoche. Par contre, on a fait une boulette. Et évidemment, il n'y en a aucun d'entre vous qui me l'a dit. Parce que vous n'êtes pas attentifs, les gars. Alors, déjà, ce qui a été bien, c'est que le live a duré jusqu'au bout. Pas un mot plus haut que l'autre. Peut-être eu deux, trois dérapages à un moment donné, mais c'est passé sous les radars. Donc, YouTube n'a rien pu dire. C'est passé nickel. Mais par contre, ça ne nous a pas empêché de faire une boulette de peinture. Alors, notre boulette de peinture, je vais vous la montrer. C'est que ça, là, les copains. Ben, j'ai regardé, en fait, c'est pas de la chair. C'est des gants en cuir. Donc, il va falloir qu'on se base tout ça. Donc, moi, je m'étais emmerdé à faire toutes les petites veines, là, tout ça, que ce soit joli, là, vous voyez. Hein? Ah ben, non. Caca. C'est du gant.
Je vous dis, on va recouvrir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour recouvrir? On va partir en recouvrement. Alors, est-ce que ça marche toujours? Je vais regarder si ça passe bien parce que la dernière fois, je pensais que j'étais en ligne et j'y étais plus. Mais là, s'il y a marqué connexion excellente, normalement tout est bon. Donc, normalement tout est bon. Allez, donc je me remets là et en avant Guingamp. Donc, parlons peu, parlons bien. On va recouvrir nos gants. Alors, pour recouvrir nos gants, on veut faire un cuir noir. Mais le noir, c'est pas vraiment une couleur, c'est pas super intéressant en peinture. Enfin, c'est pas super intéressant. Non pas que ça serve pas. Hein. Ne me fasse pas dire ce que je ne veux pas dire. Le noir est intéressant, mais c'est bien quand même d'essayer de garder autant que faire se peut de la couleur sur nos modèles. Donc, et d'autant que si on veut ombrer notre cuir et qu'on le base en noir. Ratata, on ne peut plus ombrer, on est déjà on a poussé le potard au maximum. Donc ça ne marchera pas. Donc on va faire un bleu foncé. Donc je pense qu'on va utiliser le même bleu foncé là que j'ai fait sur mon pantalon. Hello tout le monde. Chez, qu'est-ce qu'il dit Christian? Chesh. 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 Il voulait peut-être dire chiche. Des fois, il a des. C'est pas trop ce qu'il veut dire, des fois, c'est. Comprends pas tout des fois. Et donc là, voilà, on va baser. Donc, je me suis fait dans ma palette un petit bleu foncé qui est du Deep Blue. Voilà, de Scale Color. Alors, on a utilisé beaucoup de scale. On a utilisé en fait quasiment que des scale color parce que j'avais des couleurs de peau de scale color et j'avais envie de voir un peu ce que ça valait sur le modèle. Et en plus, les peintures Scale Color sur un autre modèle que j'avais peint avant m'avaient un peu résisté. Et moi, quand on me résiste, ça m'excite. Donc j'ai dit, je vais pousser le bouchon, je vais dominer ma petite Scale. Tu vois, je vais pas te laisser me la faire à l'envers, ma petite Scale 75. C'est moi le patron. Donc j'ai décidé d'essayer d'apprendre à composer avec cette peinture qui a la particularité d'être bien chargée en médium. Donc ça veut dire que à travailler, eh ben, c'est pas ce qu'il y a de plus fastoche, les copains. C'est pas ce qu'il y a de plus fastoche. Après, attention, c'est pas insurmontable. Hein. Une fois qu'on a pris l'habitude, c'est des peintures très sympas, dont la particularité est qu'elles ont un rendu très mat au finish. Ce qui pour la peau est peut-être pas ce qu'il y a de plus idéal parce que pour la peau, on aime bien avoir du satiné. Et là, vous vous dites, quand est-ce qu'il va fermer ça... Quand est-ce qu'il va peindre? Et être moins prolixe de la bouche en parole. Ça, normalement, YouTube, il ne peut pas contester. Là, intouchable. Intouchable sur cette réplique. Donc, je mélange mon bleu et mon noir mat. Et mon bleu mat. À part égale, à peu près. Hein. Voilà, je me fais mon petit jus là, juste derrière la tête à Bane. Ouais, vous voyez. Et on va venir se baser eh ben, tout ce qui va être un peu de cette couleur-là, finalement. À savoir, eh ben, à regret, nos gants, hein. Nos gants, on va être obligés. Ça m'embête parce qu'on avait fait ça bien quand même, hein. Mais bon, il faut savoir reconnaître ses boulettes. Donc, je base. Allez, c'est parti. Donc, on va baser en noir. Si vous voyez pas, si tout ça, ben, vous criez. J'entendrai pas. Bon, vous postez quoi. Vous dites, oh, t'es hors cadre, on voit rien, c'est nul. Tu nous embêtes. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc là, par contre, moi, j'ai pas le modèle sorti des ateliers de sculpture. Donc, il est un peu plus, un peu moins clean, on va dire, que celui, ben c'est la figurine de jeu quoi, hein. C'est pas le modèle qu'on peint pour faire l'expo, pour faire vendre le jeu. Donc en général, on a une sculpture, reconnaissons-le, qui est un petit cran en dessous de celle que peuvent avoir les peintres pros qui peignent ça. Voilà. Oh, quoique je vous dis ça, mais c'est pas complètement vrai parce que moi j'ai eu la chance aussi d'avoir des modèles résine gentiment fournis par Monolith. À ma personne pour faire du tuto et finalement c'était
C'est équivalent à ce que je mets en plastique. Hein. La différence, elle est très minime. Hein. Je vais juste regarder un truc. C'est où s'arrête le gant? Quand on me résiste, ça m'excite, premier dérapage. Mais pas du tout. Mais pas du tout, Christian. Il n'y a pas de. Y a... Quand on prend chaque mot isolé, voilà, résiste, voilà, France Gall le dit. Si France Gall le dit, c'est que. Voilà. Excite, bon, excite, sortie en anglais. Inattaquable, dérapage. Faire une chaîne sur l'automobile. Bon, voilà. Après le mélange de tous ces mots, bon, effectivement, voilà. Mais, demeurant. Alors, je vais regarder, oui, juste mon Bane, où c'est qu'ils vont les gants? Là, ils vont juste un petit peu le machin, là, donc je suis pas mal. Je suis pas mal. J'ai tapé juste sur la limite du gant de Bane. Je reviens dans le cadre. Je reviens dans le cadre, calmez-vous, calmez-vous. Je reviens dans le cadre. Voilà, j'y suis. Calmez-vous. Salut, Backdraft. Avec qui on a fait un cours qui était super. Enfin, moi, je trouve ça super. Après, lui, je sais pas. Peut-être qu'il s'est fait chier, je sais pas. Hein. Mais voilà, c'était bien sympa. On a peint. Bah, tiens, je vais vous montrer ce qu'on a fait. On a fait ça. Bon, on n'a pas fini, hein, loin de là. Mais on a commencé à essayer de faire ça. Voilà. Qui est un peu sombrasse, moi, sur le mien. On aurait pu monter plus haut sur les lumières, tu vois, Backdraft, maintenant que je suis en train d'y penser. On a été subtil, mais bon, le but c'était d'apprendre un peu ce qu'on peut faire à l'aéro, jusqu'où on pouvait pousser l'aéro. Mais ça mérite encore du travail, mais la base est bonne, hein, on peut faire des trucs très sympas. Salut Doc, quand un éditeur envoie des figues à des pros pour des tutos, elles sont en résine par exemple, ton Nightwing? Oui, non, pas mon Nightwing. Non, pas mon Nightwing. Mon Nightwing, c'est la vraie figurine plastique. C'était quoi que j'avais eu en résine? C'était la figurine qui se tient sur un bras, là. C'était le modèle résine que j'avais eu. Je sais plus comment il s'appelle. Le mec qui se tient sur un bras. Si vous regardez mes tutos. Alors oui, je parle, je ne peins pas. Excusez-moi. Je vais de suite me ressaisir et peindre. Parce que c'est un peu une chaîne de peinture, le mec, il tchatche. Oh, il peint pas, il tchatche. Alors là, en fait, ça me gêne un peu. Non, ça me gêne pas. Si, je mets un peu le. Ouais, je vais mettre la figurine là-dessus. Je mets le cul de la figurine dans l'eau, mais je suis un peu obligé. Parce que sinon, je ne vois pas trop ce que je fais. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, je pense qu'on peut remonter jusque-là. Voilà. Et après, l'intérieur du gant. Ici, alors vous verrez pas peut-être dans le détail exactement tout le bazar que je fais là, mais je base mon gant. Hein, voilà, il n'y a rien de bien. Voilà, donc basé avec une espèce de bleu foncé, le premier gant, c'est fait. On va se faire le deuxième gant aussi, même punition. Monsieur, vous n'avez pas peint ça comme il fallait, donc. C'est gentil, je vais me refaire tout ça. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé, j'allais dire une bonne semaine, mais elle n'est pas finie, les gars, la semaine. On est en plein milieu. Donc, voilà. À la fin de semaine, on pourra se dire si on a tous passé une bonne semaine, mais là, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce que ce milieu de semaine va bien? Pour tout le monde. Alors, moi bon, écoutez, ça va bien. Bon, quelques petits soucis dans mon boulot principal. Parce que j'ai deux boulots. Je suis peintre figurine. Et aussi, on va dire, une sorte de consultant immobilier. Je dis une sorte parce que je sais pas. Particulier aussi là-dedans. Tac, tac, voilà. Je suis plus peinture figurine, hein, je vous rassure. Poc, voilà, là on est pas mal. Vous voyez là par exemple la sculpture elle est pas terrible hein, là au niveau des doigts, mais franchement une fois qu'on aura tout peint ça s'oublie très vite et on leur pardonne très largement parce que de manière générale
chez Monolith, alors ils sont pas les seuls, hein, mais chez Monolith, la figurine de jeu, c'est de la qualité, madame. C'est de la qualité, madame, monsieur. Alors là. Parce qu'on a une dame avec nous, hein, Elisabeth. Donc on est toujours entre gentlemen, mais là maintenant on est entre gentlemen et gentlewomen. C'est quand même pas mal. Alors je vais lire un peu ce que vous me dites. Alors Anthony Alquier, en fait, je te dis salut, mais Tony Ruben et moi, nous sommes la même personne. Non. Dingue. Putain, je le saurai maintenant. Faut que je fasse gaffe. Si j'allais critiquer l'un par l'un de l'autre. Barunda, bonjour. Salut Barunda. El Palpitant, j'adore ton pseudo, El Palpitant. Ça me fait penser, tu sais, au mec qui est en train d'agoniser. Il dit, putain, on est en train de le perdre. Le palpitant, le palpitant. T'es rigolo. Je sais pas si c'est à ça que tu penses, mais moi, le palpitant, je pense à une sorte de nom argot pour parler du cœur. El Palpitant. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, je vais prendre ça. Je vais laisser sécher mon gant tranquillou et je voudrais finir ma peau dans ces dernières éclaircies. Donc je vais prendre du pale skin. Donc c'est une peau très claire. On est pas loin de l'ivoire hein, sur ce pale skin. Je vous dis ça parce que l'idée, je suis partout. Partout avec un T, non pas avec un Z. Hein. Je suis partout. Ça reste entre nous. J'ai un beau t-shirt Star Trek. Pas si vous voulez, puis je vous rentre dessus en plus. Ouais, il est beau, hein? Vous voyez pas grand chose, mais c'est un pyjama, les gars. pas ça pour sortir non plus. Hein. On n'est pas non plus dans un truc de geek. Je vais pas sortir faire des free hugs à tout le monde dans un truc cartooniste ou je sais pas quoi de Comic Con là. Hein. On est entre adultes là, nom de Dieu. Donc là, j'ai mis ça sur ma palette. On est 17. Putain, non, pas mal. Hein. Je pensais pas qu'on serait 17, d'autant qu'il y a de la concurrence. Hein. Je vous dirai pas ce qu'il y a sur YouTube pour ceux qui aiment la figurine. Parce que sinon, vous allez chercher, vous allez me laisser tomber. Je vous connais. Mais ce soir, il y a de la concurrence. Hein. Je me suis dit, d'ailleurs, c'est peut-être pas le bon soir pour faire. À peu près, je me suis dit, écoute, c'est tous les jeudis soirs, point barre. Hein. Qui pleuve, qui vente, qui neige. On va faire ça. Hein, j'ai mes poils qui se partent en. J'ai le réservoir de mon pinceau qui adopte une légère déformation qui ne me sied pas et qui risque à l'avenir, dans l'application de ma peinture, m'apporter une relative petite gêne. Alors, là, on prend ça. Hein. Donc, vous voyez, je trempe toujours le bout de mon pinceau. Pas jusqu'à la virole, hein. Jamais. Pas la peinture en tout cas. Parce que ça me suffit très largement ce que j'ai là en bout de pinceau pour peindre. Et puis le but là, moi j'en ai pas assez de peinture, là elle est encore un peu. Encore un poquito. Voilà, je vais la mélanger encore un petit peu. Voilà. Là, j'ai une espèce de tache de peinture un peu homogène. C'est ce que je cherche. Et là, je vais faire mes petits éclaircies, c'est-à-dire je vais faire des petits glacis en remontant sur mes volumes les plus hauts pour apporter encore un peu de peps. Et après, on va passer à autre chose que la peau. Hein. On va attaquer le cuirasse de la figurinas. Donc là, on est bon. Alors, où c'est que je vais faire? Bah, je vais restreindre ma zone d'application. Je vais le faire là sur mes pecs. Je ne vais pas tout monter hein, à la lumière comme ça. Hein. Le but, sinon, je perds ma progression. Le but étant de faire monter la lumière au niveau du visage. Donc, c'est-à-dire d'attirer l'attention sur le visage de la figurine. Donc, je fais ça. Voilà. Si je pense que j'ai été un peu fort sur ma palette, j'ai de la couleur un peu en dessous là, un peu intermédiaire pour rattraper. Si j'ai débordé comme ici là, vous voyez, hop, c'est plutôt du violet qu'il faut mettre là, un petit peu. Voilà, ça me paraît plus juste. Voilà, donc je fais monter ma lumière tranquillement. Je refais un petit passage si j'estime que c'est pas suffisant, parce que souvent un seul passage peut ne pas marquer suffisamment. C'est logique de devoir repasser sur des zones sur lesquelles on est intervenu pour confirmer notre éclaircissement. C'est tout à fait normal. Et j'oublie pas d'apporter de la lumière dans mes ombres. C'est souvent
Ce qu'on oublie de faire, alors je vais essayer de me tourner pour que la caméra puisse bien être en face de ce que je fais, c'est pas simple. Mais là, vous voyez ici, la lumière continue. Là, j'ai de la lumière, là, je reviens à plat, donc je dois avoir la lumière ici. Le défaut des peintres débutants, alors je dis peintre débutant, c'est un peu, j'aime pas trop dire ça parce que ça voudrait dire qu'il y a des peintres débutants, des peintres qui ne le sont pas, enfin bref. Bon, alors on va simplifier. Le défaut des peintres débutants, qui ne sont pas forcément des peintres qui peignent mal, hein, soyons clairs, sont des peintres qui commencent à peindre, c'est de ne pas apporter de la lumière dans ces zones-là. Alors qu'il faut apporter de la lumière dans ces zones-là et ne pas se dire c'est un creux, j'ai donc de l'ombre. C'est un creux, j'ai donc de l'ombre. Et on le voit notamment ici, vous voyez, ici c'est un creux, mais j'y ai apporté de la lumière parce que le fond de ce creux-là, il est plat. Donc il capte la lumière en plat, comme le fait cet espace qui est ici. Donc je n'ai aucune raison que de le laisser complètement sombre. C'est pas logique. Et comme là, ici, vous voyez, c'est plat, ça prend la lumière. Voilà. Donc j'y apporte de la lumière. Et en plus, esthétiquement et graphiquement, c'est intéressant. Puisque ça centre l'attention, vous voyez, ça fait remonter un peu en flèche vers le visage de ma figurine qui va être le point focal. C'est là où je vais attirer mon attention. Est-ce que je vais le faire sur les parties basses? Là, ça n'a pas trop d'intérêt. Parce que si je le fais partout, du coup, je vais retourner à uniformiser ma figurine et je lui fais perdre son sens de lecture. Alors j'essaye de bien peindre, même en étant dans une position un peu à la con. C'est pas facile, mais c'est le jeu du live. Voilà. Ça me suffit, ces éclaircies-là. Maintenant, je vais faire pareil sur mes épaules. Donc là, c'est pas complicado. C'est le haut de mes épaules que je vais traiter. Elle palpitant, alors je viens un peu. Epimae, je peins mes asthma tugs en ta compagnie, Zoz. Eh bien, très bien. Donc quand tu fais du Batman, on est sur la thématique monolithe, Batman, jeu de plateau, à fond les ballons. Merde, ça c'est tout flou. Je veux pas que ce soit tout flou, je veux que ce soit net, moi. Je vais devoir me faire je pense, une mise au point manuelle. Hein. Non, c'est bon. Il a capté ce que je voulais faire. Il a capté le gouvre. Enfin, le gouvre. Ah, je suis un peu gêné, là, il faut que je descende plus bas. Donc on va faire comme ça. Voilà. On va se repositionner, les gars, pour être plus à l'aise. C'est important d'être à l'aise quand on peint. Et là, je ne l'étais pas. Là, c'est parfait. Alors, donc je vais apporter de la lumière ici, là, vous voyez. Sur tous ces espaces-là. Ces petits volumes-là qui accrochent la lumière. Donc, hop, je tapote. Et je fais remonter la lumière. Là, ici, ça va être pareil. Je vais faire remonter ici, ici, ici. Voilà, un peu ici. Là. Là, là. Voilà. Ouais, j'hésite pas à diluer pas mal, hein. C'est un glacis que je veux faire. Hein. Le but c'est de faire remonter la lumière ici en glacis. Donc il faut que ce soit léger. Et si j'ai l'impression que je suis monté un peu fort, je retourne avec ma couleur un peu en dessous. Lisser ici mon intermédiaire. Voilà, comme je le fais là. Voilà. Voilà, ça y est, j'ai fait tout ça hors cadre, vous n'avez rien vu, c'est extraordinaire. C'était quand j'étais jeune, on avait des palpitations dans la gorge avec les copains, c'était synonyme d'envie de boire, d'où elle palpitant. Énorme. Ça, c'est un bon historique de pseudo. Julien Dupont, hello everybody. Julien Dupont. Julien Dupont. Dis-nous quel est ton véritable nom? Tu travailles pour le KGB, pour les Russes, pour les Américains, FBI. Julien Dupont, c'est pas crédible. C'est comme John Smith aux États-Unis, personne n'y croit. Barundar, si tu cherches des figues à peindre durant tes lives, je peux fournir. Oh, ça va. T'inquiète, c'est ce qu'il faut. Par contre, si tu veux que je te fasse une commande peinture, ça,
Pas de problème. Et donc, on va faire l'autre côté maintenant. En fait, il est gros ce machin, c'est ça qui m'enquiquine. Vais pas passer loin de la zbouletas. Alors, ici. Donc, je refais pareil que j'ai fait tout à l'heure ici. Je monte ici la lumière. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Je fais des petits traits comme ça. Voilà. Et si je pense que j'ai été un petit peu franc du collier, je viens fondre avec un petit glacis ici. C'est-à-dire tout simplement de la peinture légèrement chargée, très humide sur mon pinceau. Mais j'inonde pas, hein, c'est pas un lavis, c'est un glacis. C'est-à-dire que j'ai de la peinture humide, mais en charge faible sur mon pinceau. Voilà, ça c'est fait. Je vais éclaircir ici aussi, là, sur mes petits muscles, là, le haut. Parce que là, c'est des petits muscles. Donc ça vient taper une lumière forte. Puisque, fort logiquement, hein, ici, j'ai une lumière forte. Je redescends. Paf, j'ai une lumière forte ici. Parce que mon muscle revient perpendiculaire à mes impacts de lumière. Donc, perpendiculaire à l'impact de lumière, ça reprend une lumière équivalente à celle que j'ai en haut de ce muscle-là. Même si le muscle est un petit peu plus bas. C'est de la physique, tout ça. C'est du bon sens. Bon, après, je peux aussi tourner un peu ma figousse pour m'aider à peindre. Hein. Pas obligé tout le temps de me mettre dans la difficulté. Voilà. Petit fondu là. Avec une couleur un peu moins claire ici. Voilà, ici on va apporter un peu de lumière là, 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 hop, hop, un petit trait là, un petit trait là, un petit trait là. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. Niveau éclaircissement. Voilà, on va tourner un peu, on va voir de l'autre côté ce que ça dit, si mes muscles sont bien faits, si je peux pas un peu monter de lumière, si je peux un peu en monter là, là. Voilà, je tourne un peu. Je peux un peu en monter là. Voilà, et surtout monter un peu ici. Là, vous voyez, tac, là il faut que je retrouve ma lumière là, là aussi. Parce que, même principe, hein, ma lumière elle tape ici, elle retape ici parce que je suis sur le même angle au niveau de ce volume là. L'angle il est plat ici, il retourne plat là, donc je dois avoir la même lumière. Donc, il n'y a pas de raison que je retourne que sur de l'ombre. Et pareil ici, d'autant que ça va me permettre de faire des contrastes un peu forts. Qui n'est pas inintéressant, évidemment. Pour dessiner mes muscles. Ouh, j'ai de la peinture qui est un peu séchée sur les bouts de mon pinceau, là. C'est pas top, ça. Un peu mauvaise. Non, c'est pas mauvais ça. Pas mauvais. Oh là là, elle a bien séché, dis donc. La ragoune. La peinture capricieuse. Voilà. Allez, on se refait un petit mélange là. Ici, c'est bien mélangé. Là aussi, faut que je me rajoute un peu sur ma palette de ce qui me manque. On va me manquer de quoi? Je travaille le clair, il va me manquer du light skin que je vais mettre ici. On va bien le mélanger là. J'essaie de faire plutôt en partie basse que vous voyez un petit peu, voilà. Un petit peu de light skin. Et je vais me rajouter un petit peu de pale skin aussi ici sur ma palette. Et voilà. Là, on est pas mal.
On a de quoi bosser et la base, je l'ai là. Voilà. Allez, on va reprendre notre beau pinceau. Alors, hello everybody, ça c'était donc Julien Dupont-l'Agent-Double. Svart34, salut à tous, salut à toi Svart34, bienvenue sur le live des gentlemen et gentlewomen, parce qu'on a une fille qui se cache, je crois, quelque part, si elle est encore là. Sur ce live, voilà, on est en train d'avancer sur Bane, on a bien avancé la peau, on l'a quasiment fini. À voir pour une fois, je jouerai avec des figues bien peintes. Eh ouais, ça, jouer avec du full paint, c'est autre chose, hein, les gars. Pour avoir testé, pas tout le temps, bien évidemment. Je vais y avoir droit à chaque live, je vais faire un procès à mon père. Bah oui, bah. Parce que ton père aussi est dans la combine, Julien Dupont. Ah, famille d'espions. Famille d'espions, je suis également sur du BGCC ce soir. Batman Gotham City Chronicle, j'imagine. Orphan fini à l'instant, j'attaque Katana. Vous savez quoi, les gars? Je l'ai dit, je ne l'ai pas fait. Je suis incorrigible. Il faut que je fasse le Discord, que je puisse voir tout ce que vous faites. Parce que ça m'intéresse, moi, tu vois. J'entends parler de ton Orphan et tout ça. J'ai envie de le voir. Donc, il va falloir que je mette ce Discord en place pour jeudi prochain. Allez, je. Parole. Parole devant Gilles. Il est où, Gilles? Il n'est pas là. Je vais mettre en place le Discord pour le jeudi prochain. Ouais, je vais le faire. Salut Zoz, pas le temps de rester, mais SVP laisse le replay, j'adore tes lives. Ah, ben c'est très gentil, Firat Sino. Firat Sino. Salut Zoz, première fois que je te suis en live. Ah, ben c'est rigolo. Ben, bienvenue à toi. Tu vas voir, c'est. C'est tout aussi sérieux et organisé et cadré que les tutos. Hein. Tu vas pas être dépaysé. Alors, bon, on blague, mais on n'a pas peint pas de mouillé là. Hein. Voilà, donc l'épaule c'est fait. Je pense que niveau éclairci c'est bon. Hein. On va arrêter là. Hein. À un moment donné, stop. Hein. Si, vous savez ce que je vais faire? Les petites veines. Alors, quand on traite des petits volumes, les petites veines du cou. Parole de pinceau. Bien dit Thierry. Quand on traite des petits volumes. Je vous conseille, moi, de ne pas avoir une peinture qui soit trop diluée, parce que sinon vous perdez le contrôle. C'est-à-dire que vous aurez du mal à être précis, alors que quand vous traitez un petit volume, il faut par définition être précis. Donc c'est bien de ne pas trop diluer votre peinture quand vous travaillez sur du petit volume, comme ici. Voilà. Voilà. Vous pouvez vous amuser à rajouter des veines là où il n'y en a pas, des petits effets comme ça là. Ça fait un peu de texture, c'est toujours intéressant. Voilà. Bon, allez, stop it now. On change la peau, c'est fini. Alors maintenant, on a fait nos gants. On va faire ça en métal. Alors le métal, on peut partir sur du gris pour faire du métal. Sauf que le gris, c'est pas très kiffant le gris, parce que le gris. C'est pas une couleur, c'est du noir avec du blanc. Donc toujours dans l'idée de garder de la vivacité dans notre figurine, ça va être plus intéressant d'essayer d'avoir des gris colorés. Les gris colorés, vous les obtenez en mélangeant vos peintures. C'est très facile d'obtenir un gris coloré, vous mélangez vos teintes ensemble. Vous en mélangez 3-4, au bout d'un moment donné, vous allez vous sortir un marron ou un gris un peu dégueulasse. C'est très bien, c'est un gris coloré. Sinon, vous avez des gris colorés tout faits. Moi, j'ai ça. Field gray, ça me paraît sympa, ça a l'air d'être une espèce de gris vert. C'est bien parce que j'ai un pantalon qui est plutôt dans les tons bleu noir, du métal qui va être gris vert. Bon voilà, ça fait de la richesse chromatique sur ma figurine. En même temps, c'est du désaturé comme couleur, ce qui fait que j'évite l'effet arlequin. D'accord? Donc je pense que c'est pas un mauvais calcul. Par contre, je vais bien le secouer parce que les peaux scale 75, quand tu les secoues pas bien, ils ont tendance à être très chargés en médium. Et du coup, tu peins avec beaucoup de médium et tu as du mal à peindre. Voilà, bien secouer. Je pense. Ouais, c'est encore un peu médiumisé. Il y a beaucoup de médiums dans la Scale 75, de là à dire que c'est une peinture qui voit loin. Ah, elle est jolie. Allez. Elle est jolie. Ah, petite blagounette, je suis fier de moi. J'ai une coupe de merde, hein, dis donc. Waouh. Il est temps que, hein, sortie de confinement, il serait bien de sortie de coiffeur aussi quand même. Hein. À un moment donné. Donc, salut Fabrice Roturo, bienvenue à toi. J'attends toujours de tes news. Ah, pourquoi je devais te répondre à quelque chose? Merde alors.
Renvoie-moi un message, Mikey, parce que j'ai eu beaucoup de messages à traiter. Donc peut-être que je suis passé à côté. Si c'est le cas, mille excuses. Ouais, renvoie-moi un message sur ma page Facebook, sur Messenger, ce que tu veux, mais ouais, renvoie, renvoie. Renvoie, renvoie. Donc là, je mélange mon gris, voilà, un peu coloré, hein, voilà. Et ça va me faire ma base métal. Ma base métal, je vais m'en servir pour faire. Je pense que ça, on va se le faire en métal, là, hein, ici. C'est en métal ou c'est noir, ça, les gars? C'est quoi dans le modèle officiel? Vous en pensez quoi ou... Je sais même pas. Je ne sais pas comment c'est ça. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je reste pas là. Je regarde vite fait. Qu'est-ce qu'ils en font sur la photo? Qu'est-ce qu'ils en disent, les copains là? Le Bane officiel, il est comment là? Je pense que c'est du métal ça, les copains. Hein, ouais, c'est du métal un peu sombre. Hein, on va se faire ça. Hein. Ouais, on va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça, hein, les copains. On va dire que c'est ça, du métal un peu sombre. Donc, ça, pour l'assombrir. Bon, on peut y rajouter du noir parce qu'il est déjà coloré, mon gris. Donc, on va y rajouter du noir, tout simplement. Voilà, j'en ai un peu là. Je vais le mettre tout à côté, là. Bon, vous verrez pas, mais c'est pas ce qu'il y a de plus captivant. Et je vais me faire mon petit mélange pour me faire ma base. Parce que là, sinon, ça va être un peu trop clair. Voilà, là j'ai un gris coloré sympatoche. Allez, on est parti. Métal des bracelets. D'accord. Eh bien alors, métal des bracelets. Belle maîtrise du secouage, merci. Des années de pratique. Mikey l'équerre doute. J'eus plus de blagues comme ça, je vais pourrir Katana, elle était bonne. Ah, elle était bonne. Ah. Retenons-nous. Alors, métal des bracelets. Allez, je base mes parties métalliques. Alors, en partie métallique, j'ai ça. Donc ça, on base. On va essayer d'être propre là. Il s'agirait de ne pas déconner. Alors vous voyez que je ne cherche pas à avoir une peinture méga diluée parce que c'est une base. Pour les bases, vous enquiquinez pas à avoir du méga dilué. C'est pas à ce moment-là qu'il faut... Je dirais qu'il est important de travailler avec une peinture très diluée. Il faut qu'elle soit suffisamment diluée pour pas empâter votre figurine, ça on est d'accord. Mais n'exagérons pas, ils ne font pas toujours peindre avec une peinture diluée comme du lait. Ça c'est faux. Enfin c'est faux. Pas pour de la base. Ça ne sert à rien. Plus largement peindre avec une peinture qui se rapproche. Je suis obligé de monter, il faut que je descende plus ma caméra parce que sinon je mets mes doigts dans ma palette et c'est pas très bien. C'est pas bien de mettre ses doigts dans la palette. Voilà, c'est bon, vous voyez toujours? Ouais. Pas facile hein, de se filmer en train de peindre. J'ai pas encore trouvé la solution idéale, je vous dirais. C'est-à-dire le à la fois pour que vous puissiez bien voir et que moi je sois complètement à l'aise parce qu'évidemment quand on n'a pas de caméra on est tous comme ça, on va beaucoup plus vite hein. On est beaucoup plus à l'aise là, on est toujours un peu tordu, il faudrait que je trouve un système pour être au top dans la tenue du enfin la manière dont c'est capté, c'est-à-dire que vous puissiez voir et qu'en même temps moi je ne sois pas obligé de faire un peu de contorsion pour que vous puissiez. Alors là, comme il y a les zones de peau qui sont pas loin et que mes peaux, ben, je les ai bossées jusqu'au bout, j'essaye de pas faire le sagouin. Là, c'est passage délicat. Il faut passer derrière les tuyaux sans esquinter notre belle peau. Pas simple, les copains. Descendre en fait hein, je me mets toujours en haut là mais je peux descendre là voilà donc vous m'excusez c'est l'instant Ushuaïa c'est l'instant tu retiens ta respiration c'est très blanc hein, ça
coup, vous voyez plus là. Vous voyez plus trop bien. C'est très saturé blanc. Donc il va falloir que je trouve aussi une solution pour ça. Peut-être du papier sopalin noir, si ça existe. Voilà. Allez, on a fini notre première couche un peu délicate sur ce bracelet là, ce col. Pas simple à baser. Voilà. Première couche quasiment passée. Ce petit bout là, bon, là il n'y a pas 36 secrets, les gars. Il faut être patient et prudent en général. Normalement, le mieux c'est de pas pousser toutes vos zones à fond. Comme ça, si vous débordez, vous n'avez pas ce côté oh deg, j'ai débordé sur mon travail fini. Mais comme l'idée c'était de faire juste un live sur la peau au départ, je me suis pas posé cette question. Sauf qu'en live, lors de la dernière fois, on s'est dit. Eh ben on va la faire jusqu'au bout, cette figouze. Voilà, alors les bracelets en fer, hein, tu nous as dit, mon cher ami. Donc on va faire un bracelet en noir. Hein. Allez, le bracelet en fer. Donc on réutilise notre même couleur là. Espèce de gris foncé coloré légèrement vert. Mais alors légèrement. Hein. Tellement léger qu'il faut le chercher, notre vert. Hein. Mais il est là. Et là. Des fois, vous savez, c'est pas forcément nécessaire qu'on voit vraiment toutes les subtilités de vos couleurs. Elles impactent aussi et je dirais, elles envoient de l'information aussi, sans que vous, à l'œil, vous ne les perceviez. Mais votre cerveau les perçoit. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et du coup, les zones paraissent un peu plus brillantes, vivaces. Plus vivante, plus contrastée, alors pour autant vous avez l'impression que c'est un gris foncé, sauf que votre cerveau, lui, il le sait que c'est pas du gris foncé, il le voit, la petite touche de vert dedans, qui vient résonner et qui vient s'opposer à ma peau qui a des tonalités de rouge dans ses ombrages. Vous comprenez le contraste? J'ai tendance à être hors cadre, désolé les copains. Il faut que je corrige ça rapidement. Ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va faire l'autre bracelet et on va essayer de le peindre dans l'axe de la caméra. Ça va être un autre délire. Alors, attendez, ce qu'on va faire aussi pour pas être emmerdé, je vais pousser tout ça. Je vais me mettre là. Comme ça, je vais être plus à l'aise là. Je peux remonter la caméra ici. Voilà. Et je pense que là, vous verrez mieux et moi, je serai plus à l'aise. On va y arriver à trouver notre réglage de compète. On va y arriver. Ouais, parce que je veux essayer, enfin je veux que vous voyez quand même bien ce que je fais, c'est le but. Sinon ça n'a pas d'intérêt. On est d'accord? Sinon je pars tout seul. Voilà. Bon, ça n'a pas marqué des masses. Donc une deuxième couche, c'est certain. Ah, dis donc, sur Netflix, j'ai regardé une série française de SF. J'aurais pas misé un copec dessus. Eh ben j'ai trouvé ça bien, dis donc. Enfin bien. Oui, bien. Voilà, c'est pas la meilleure série de votre vie, hein. On est d'accord. Et j'en ai vu des meilleurs, sûrement. Mais très très bien. C'est une série sur Netflix qui s'appelle Le Transfert. Je sais pas si vous avez vu. C'est vachement sympa. Nous, on a bien aimé. En fait, ça parle de. Le sujet, c'est que un peu dans un futur assez proche,
on arrive à récupérer l'âme de quelqu'un qui vient de mourir et à le transférer, on peut le transférer dans un autre corps. Et donc, il y a des transferts légaux, mais il y a aussi des transferts illégaux. Il y a notamment une force de police qui s'appelle la BATI, qui est chargée de pourchasser les transférés illégaux. Et après, je ne vous spoil pas davantage, mais c'est franchement pas mal, parce qu'il y a des vrais rebondissements, il n'y a pas trop de bons sentiments, ça y va clairement dans l'exploitation du thème, en allant bien dans les côtés sombres qu'on peut avoir sur ce genre de thématique, et jusqu'où l'humain peut aller avec la technologie, se prendre pour Dieu et tout ce que ça peut avoir comme conséquence. C'est vraiment sympa. Si vous avez Netflix et que vous vous dites, tiens, une série de SF française, pourquoi pas avoir, eh bien, ayez la curiosité de regarder. Et je pense que vous ne serez pas trop déçus. Wally. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va baser aussi, du coup, nos genouillères. Voilà, on va essayer d'accélérer un peu le rythme, histoire que vous puissiez voir quand même de la peinture un petit peu sympatoche. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit pas que des bases, mais qu'on voit un peu du travail de NMM, par exemple, ce serait pas mal. Que vous puissiez voir ça ce soir. Si ce soir, je peux voir du NMM. Si ce soir... Oh, ça va, ça contraste même sur la base, ça reste sombre, mais ça contraste quand même suffisamment avec mon pantalon. Tiens, je suis en train de voir d'ailleurs que j'ai oublié une partie de mon pantalon quand j'avais fait ma base pantalon jeudi dernier. C'est réparé. Allez, on continue, on mélange nos deux teintes là pour obtenir ce gris un peu sombre. Et je base, et je base, et je base, je me raccroche à la vie. Oh, les références. Il y en a là qui sont sur des bonnes séries hein, en ce moment. Tiens, je regarde un peu. T'inquiète pas pour l'instant tant que les explications sont claires. D'accord. Bon, bah écoutez, si vous êtes bien permissif et gentil. Salut les jeunes. Ah, oh, François Picky, bah tu dois être vieux alors. Que les jeunes, moi j'ai 42. Je sais que je ne les fais pas. Mon teint de pêche, mes yeux couleur pain du Canada, mon poil soyeux, cette brillance dans le regard, cette fraîcheur suggère un âge beaucoup plus jeune, évidemment. Mais j'ai 42. Prends-toi ça dans les dents. Depuis le 14 mai. Oh! Voilà, c'est basé. Et les chaussures coquées aussi, les gars. Pas les oublier, celles-là. Donc, chaussures coquées, métal, basé. Hein. On va pas faire 50 métals différents. La semelle, je la ferai noire. Hein. C'est pas du métal, la semelle, c'est pas crédible. Hein. Comment veux-tu avancer avec des semelles en métal? Ça ne marche pas. Je dis ça pour les Space Marines. Bon. Keanu Reeves? Non, Zoran, pourquoi? Ah, cela me fait penser, c'est Julien Dupont, l'agent double, qui nous dit que ça lui fait penser au film Réplica avec l'acteur de Matrix. J'ai un trou. Normal. Keanu Reeves, c'est ça. Enfin, en tout cas, l'acteur existe, hein, Keanu Reeves. Après, ce film-là, je ne l'ai pas vu. C'est quoi la moyenne d'âge des abonnés ce soir sur le chat? Alors, moi, 42, après les autres, ben, je vous laisse tomber le masque. Hein. Je vous laisse tomber le masque, les gars. Hein. Voilà, c'est elle palpitant, il demande. La moindre des choses, c'est de lui répondre. Hein. Je veux dire, on ne peut pas le laisser dans le flou artistique. Voilà, on est entre nous. Il n'y a pas de honte à être vieux. T'es vieux, t'es vieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Comme ça. Hein. Choisis pas son âge. C'est chiant, ces petits tuyaux. C'est embêtant, ces petits tuyaux-là.
viennent nous casser la vie, nous pourrir le. Je pense que je vais te laisser ça sombre. Hein. On va pas se casser la binette hein, sur les petits tuyaux, les gars. Parce que là. Qu'est-ce que c'est embêtant? Ces petits tuyaux tasses là. Voilà, donc là je repasse une seconde couche sur mes métaux. Sur mes métaux. On dirait un nom de personnage. Mes métaux. J'essaie de m'appliquer un peu quand même. Hein. Il faut. On va faire un... Après, on va faire un sketch des effets métalliques qu'on va voir. Voilà. Alors après, les bracelets métalliques, moi je les verrai bien un peu plus clair. Encore bravo pour ton travail impressionnant. Bah merci beaucoup. Hein. Bon, tu sais, là pour l'instant, on n'a rien fait de très impressionnant ce soir. C'est vrai, ça manque un peu de d'effet wow. Mais on va y arriver, on va y arriver. On va se faire un petit effet wow là dans la soirée. Allez voir les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elisabeth Isidora, 30 ans. Très bien, parfait. 30 ans. La jeunesse, la fraîcheur. Fabrice Roturo, 44 ans. Parfait. La vieillesse, la mort. El Papitan, 30 à 55. Alors, belle tranche. Ah oui, il y a du 55, dis donc. Arnaud, 47. Attention, Arnaud. Hein. Dans 3 ans, t'es un demi-siècle. Dur. Dur, très très dur. Et du coup, il est très dilué mon gris. Hein. C'est pas grave. Hein. Allez, on va y aller jusqu'au bout avec ce gris-là. On fera plusieurs couches s'il le faut. Et il le faudra. Alors, la scale, quand elle prend l'eau, elle prend l'eau. Hein. Je vais me le baser en filigré, mais sans qu'il soit dilué à la flotte. Voilà. On va se faire une petite touche de filigrane non diluée là sur le côté. Pépère. Parce que sinon, on va passer la vidéra à baser ce machin là. À un moment donné. À un moment donné. Et ouais. Pour les bases, la scale, c'est vrai qu'il faut mettre plusieurs couches hein, pour que ça commence à bien marcher l'histoire. Hein. Donc voilà quoi. Christ Mayer, c'est plus un live, c'est un EHPAD. Ben. Ah, elle était belle, elle était belle. Elle est bien placée. Bien placée à la carotide, sans appel. Non, là, rien à dire. La bonne vanne au bon moment. Elle était pas couchée. 60 Mikey d'équerre. Oh là 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 là. Hey, c'est le live de la maturité. Hein. Dis donc. 60. Extraordinaire, 60. C'est bien de s'intéresser à la peinture à 60 ans. Hein. Ça, pas mal. Hein. Peinture de figurines à 60 ans. Ça veut dire que tu as encore l'esprit à jouer au jeu, l'imagination. Tu as encore un peu l'esprit gosse, quoi, à 60 ans. C'est rassurant. Moi, je trouve ça rassurant. Il y en a qui trouvent ça inquiétant, mais moi, je trouve ça rassurant. Moi, je pense que les gens qui ne jouent pas sont inquiétants. Ils sont tristes. Ma femme, elle joue pas, par exemple. C'est inquiétant. Je joue pas beaucoup. Mais non, pas moi. Ah, t'as pas 60 ans, Mikey Decker. En même temps, ton pseudo, il faisait pas mec de 60 ans, je trouve. Il y a plus de respect pour les anciens. Je prends mon déambulateur et je m'en vais. Mais non, mais on rigole, Thierry. Oublie pas tes dents, s'il te plaît. Bonne musique de vieux, tiens. Tu rates des messages. Eh ouais, j'ai pas été assez vite. Oh, mais je parle globalement, j'étais passé sur ton dragon. Ah, le dragon de Joan of Arc. Et oui, j'ai fait un tuto sur le dragon de Joan of Arc. Exactement, Baxdraft, tu as raison, tout est dans la tête. Il n'y a pas d'âge. Mais oui, on a l'âge de ce qu'on a dans la tronche, et puis c'est tout. Il y en a, il y a 30 balais, ils sont déjà vieux et enterrés. Ils sont déjà passés à côté de tout, ils ont 30 ans.
Enfin, à côté de tout. Ils sont en train, en tout cas, de passer à côté de l'important, de l'essentiel, le partage, l'amour et le jeu. Voilà, bon, j'ai tout ce qui... Oh, excusez-moi, je suis en retard à chaque fois, c'est pas bien. Voilà, là, j'ai décidé de faire un gris, un vert un peu plus clair, là, pour traiter ces parties-là. La bouteille, on verra après. C'est pas le truc qu'on va essayer... Et le masque, on va le faire... On va le faire noir mat et on va le monter à la chair pour les éclaircies, pour faire un côté cuir. Là, je pense qu'on va faire ça. Donc, on va baser notre masque aussi. Là, pour le coup, je vais faire une couche de noir. Ouais, noir éclairci avec un peu de chair. Allez. Toujours pareil dans l'idée d'avoir un peu de pas partir sur un noir brut parce que sinon. Pour ombrer, ça va être compliqué, l'histoire. J'ai un noir brut, plus noir que noir, compliqué. Donc là, je peux prendre, évidemment, l'idée, c'est de piocher dans la palette. Quand on a dans la palette, il ne faut pas les chercher ailleurs. Donc, voilà, je me fais une espèce de gris foncé, coloré, puisque c'est du noir mélangé avec de la chair. Et ça va me faire mon basque. Ça me permet, vous voyez, d'apporter des tonalités de gris différents. Donc, comme je traite des matériaux différents, c'est assez logique. Et en même temps, d'éviter les faire arlequins parce que je pars pas dans 50 couleurs. Voilà. Voilà. Et le masque, on le fera blanc, évidemment. Ça, c'est typique Bane. Avec les yeux rouges. Ouais, mais c'est vrai que je pense qu'on va être une génération, nous, en fait, on est une génération de joueurs parce que tous les mecs là qui ont aujourd'hui, je pense, la quarantaine, tout ça, ben nous, on a découvert des jeux. Ça a été un peu le début aussi, enfin le début. La culture geek, en fait, je pense que nous, on est la génération geek. Donc c'est pour ça qu'on va être des vieux qui vont continuer à s'éclater avec des trucs de gamins, je pense. Nous autres, la génération des 35-40 ans, là. Je pense que c'est un peu ce qui va se passer pour nous, ce qui se passe d'ailleurs pour nous, on le voit hein, dans les salles de cinéma, dans les parties de jeux de plateau, de jeux de rôle aussi, on voit que la moyenne d'âge, bah, finalement, la moyenne d'âge, elle s'est décalée, hein, je trouve. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai. Une moyenne d'âge qui s'est décalée vers les 35-40 ans. Pareil pour les jeux vidéo, les jeux de société, parce que tout simplement on a grandi avec ça. Et en grandissant, on l'oublie pas, on le garde avec nous. Donc forcément, du coup on y joue encore, mais avec les moyens qui sont un peu plus poussés en général, puisque bah, là on gagne notre croûte, enfin en tout cas on essaye. D'ailleurs, si vous voulez me filer un peu sur le Tipeee, n'hésitez pas, hein, ça me permettra de donner à manger à la petite. Et donc, je pense que tous, on va continuer à jouer, je pense. Et je pense qu'on va tous se retrouver dans nos EHPAD à jouer à Batman, le jeu de plateau, ou faire du jeu de rôle. C'est quand même plutôt rigolo. Si on arrive à garder cet esprit-là. Voilà. Dès qu'on fait le masque, hein, le Bane apparaît. Hein. Alors, Christemeyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, il y a des mangas sympas dans les créateurs, sont pas tout jeunes. Et ouais, bah, évidemment, évidemment. Ouh là, ça chatte, ça va vite, les gars. Faut que je rallonge mon chat. Avoir 10 ans dans les 70 et dans les 80, le pied. Mais oui, carrément, le pied. Il y a beaucoup de classiques graves. Et dans 20 piges, c'est la génération Club Dorothée des aînés. On est dans la merde, ouais. Ah oui, moi, oh là là, quand je vois. Par contre, je trouve qu'ils sont pas gâtés là, nos gamins. Là, moi j'ai une petite qui a 4 ans. Bon, je la mets pas devant la télé parce qu'il y a un peu rien à voir. Mais je pense qu'ils sont pas gâtés. Alors nous, Club Do, c'était pas de la super qualité non plus. Hein. Il y a la nostalgie qui parle aujourd'hui, mais sincèrement, c'était pas tip top. Hein.
Mais on va dire que si on met nos gamins devant la télé et que c'est pas nous qui nous occupons de leur faire découvrir des trucs, je pense qu'aujourd'hui, le gamin devant la télé, je sais pas trop qu'est-ce qui va lui rester de ce qu'il va vu, de ce qu'il va voir là aujourd'hui, à la télé. Télé-réalité, c'est bidon. C'est-à-dire ceux qui ont grandi avec ça, honnêtement, voilà quoi. Donc c'est pas top, hein, je trouve. Hein. Ils ont moins de matière, de trucs à sympa à regarder, je trouve, de. Ah, peut-être c'est moi qui me. Ça fait peut-être vieux con de dire ça, hein, c'est-à-dire qu'une autre génération dira la même chose de la génération d'avant et ainsi de suite, et ça ne cessera de se reproduire, mais j'ai quand même cette sensation que on a encore eu, nous, une jeunesse où à la télé, il y avait des trucs sympas qui peuvent nous rester encore aujourd'hui. Alors que là, à la téloge pour les gamins, mais au secours! Dragon Ball. Mais pour le film Dragon Ball, la moyenne d'âge était de 30 ans. Bah oui, Dragon Ball, c'est notre génération. Je me souviens à l'époque où j'ai vu Dragon Ball Fusion, c'était rempli de gamins, ça change exactement. Exactement, on grandit. Et ces dessins animés grandissent avec nous, donc ils nous suivent. Assez logique tout ça. Alors, là, on a basé, on a basé, on a basé. On va commencer à éclaircir notre pantalon, histoire de dire qu'on fasse un peu du éclairci et qu'on ne se contente pas de filtrer l'air là. Hein. Voilà, voir un mec qui fait des bases pendant une plombe, c'est bon quoi. Moi, j'ai pas signé pour ça quoi. Donc là, je vais me concentrer sur mon pantalon. Je prends mon noir, mon bleu, enfin mon bleu mélangé avec mon noir, sauf que là, j'y rajoute du bleu dedans et je vais venir tout simplement travailler mes éclaircies. Donc je me suis fait mon petit mélange. Je nettoie mon gros pinceau. Et avec mon pinceau de travail, je vais venir bosser ici. Allez, c'est parti. Là, vous voyez un petit peu. Allez. Vous savez quoi? On va se le faire en brossage pour commencer. Parce qu'il y a matière à faire du brossage. C'est très texturé. Donc, on va faire un brossage semi-sec. Technique spéciale Zo. Où on va vite. Et pour autant, on fait quand même un travail de qualité, vous allez voir. C'est pas mal ça pour pinceau brossage, ça va le faire. Allez. Donc, du bleu ici, que j'essuie là. Voilà. Ouais, je vais le monter un peu éclairci avec la chair. Donc, je prends mon mélange. Et comme mon but, c'est d'avoir une palette réduite, je me rends compte que mon bleu monté sur mon noir ne suffit pas à monter suffisamment haut en lumière, donc je vais y rajouter un peu de chair dedans. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, ce bleu là là me plaît mieux. Donc mélange de noir, de bleu foncé et de chair. Et maintenant avec ça on va brosser. Ici, pardon, un peu plus bas. Voilà. Et je fais pareil sur les mollets à l'arrière. Tac, tac. Voilà. Pareil ici. Je fasse gaffe, je le fais voler partout, nom d'une pipe en bois. Là, c'est intéressant de le faire parce qu'en fait, il y a plein de micro-textures sur cette figurine, plein de plis. Donc, si je vais les chercher au pinceau, ça va être très long. Donc, je pense qu'on peut obtenir un résultat tout aussi sympatoche en faisant du brossage maîtrisé. Voilà, je rajoute à mon mélange encore un peu de chair. Donc j'éclaircis davantage. Et même principe, brossage avec un pinceau peut-être
peu plus souple. Voilà. Et je brosse dans le sens opposé au pli pour accrocher mes plis. Voilà. Là, je le fais un peu comme ça, ici, pour éclaircir mes muscles. Voilà. On se refait un petit passage là. Tac, 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 tac. Donc, vous voyez, ça va vite, hein. C'est du brossage, hein. Voilà. Et en même temps, toujours un petit coup comme ça, en semi-sec, pour attraper les plis. Toutes ces petits plis-là que le sculpteur s'est fait un malin plaisir à nous faire. Eh bien, on va y rendre justice. Voilà, de ce côté, c'est fait. On va aller sur le cucu et on va faire la même chose sur le cucu de mon bonhomme. Tac, 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 tac. Voilà, là, un peu comme ça pour choper les reliefs. Voilà, là, pareil, comme ça pour choper les reliefs. Je le fais maintenant, ça, parce que si je le fais une fois que mes métaux sont faits, comme c'est une technique un peu barbare, je peux avoir tendance à effectivement choper notamment ma genouillère. Si elle est complètement finie, ma genouillère, je risque d'être deg d'avoir des petits frottis dessus de bleu. Donc, comme c'est pas le but recherché, on peut le faire avant. C'est pas grave si ça frotte un peu. On fait que frotter nos bases. Hein, c'est-à-dire que si je déborde un peu sur ma genouillère c'est qu'une base hein, à l'heure actuelle, c'est pas une genouillère sur laquelle j'ai fait un NMM super chiadé en phase terminale. Donc, nos problèmes. Voilà. Là, on est pas mal. On monte encore. Vitesse supérieure. Je reprends toujours ici et j'éclaircis. Encore. Voilà. Elisabeth, c'est comme le champagne, c'est un peu plus sucré que le brossage à sec. Et qu'est-ce que tu veux dire par brossage semi-sec? Désolé, débutons à bord. Alors, brossage semi-sec, c'est un brossage où normalement le brossage, on dit brossage à sec souvent parce qu'on met de la peinture sur notre pinceau et on essuie beaucoup son pinceau pour avoir quasiment des pigments secs sur les poils de son pinceau. Et on va venir frotter notre figurine. Et en fait, la peinture va venir accrocher les volumes, les petits reliefs, et du coup, va les faire apparaître. C'est moins précis, ça a un côté un peu poussiéreux. Et ça va être moins précis que si tu faisais effectivement ce travail-là très détaillé, très minutieusement, pli après pli. Par contre, tu as bien compris que c'est beaucoup plus rapide. Si tu veux un entre-deux qui soit une bonne chose, c'est ce qu'on appelle le brossage semi-sec. C'est-à-dire que tu vas être sur ton pinceau chargé en peinture, que tu essuies sur ton sopalin, mais pas jusqu'à avoir les poils complètement secs. Tu t'arrêtes un peu avant pour être sur du semi-sec, c'est-à-dire que tes poils continuent à être un peu chargés en humidité aussi. Et après, ça va plus se jouer sur ton brossage. Là, il faut déjà que tu fasses un brossage à angle opposé de tes volumes pour venir les accrocher. Je sais pas si tu vois bien là ce qui se passe. Regarde, c'est très des cas, mais tu vois, j'accroche mes volumes là. Voilà. Et du coup, je mets en valeur ces petits plis qui sont des petits reliefs que mes poils de pinceau viennent accrocher naturellement parce qu'ils sont en volume. Voilà. Et après, quand tu es plus à l'aise, tu vois, tu peux aller plus vite. Faire comme ça. Tu peux le faire en plusieurs directions, hein. Je l'ai fait dans une direction pour choper les plis de mon pantalon. Et là, je le fais dans cette autre direction-là pour choper ces volumes-là. Voilà. Tac, tac, tac. Et l'important, c'est de passer à plusieurs reprises sur le même endroit pour avoir cet effet. Éviter déjà le côté trace de pinceau. Donc si je vais dans plusieurs sens, je vais croiser mes couches, donc je vais éviter le côté trace de pinceau. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais faire la même chose ici, tu vois. Donc c'est une technique à la fois de quand tu fais du semi-sec, c'est bien incliner son pinceau, garder la bonne distance, la bonne dilution, parce qu'il faut que les poils effleurent le pinceau, croiser un peu tes couches, donc comme je le fais, tu vois, en tournant la figurine, je croise ces couches de brossage. Voilà. Et tu vois, sans trop me casser, petit à petit, tu vois apparaître les reliefs de ce pantalon.
tu vois, sans que je me sois trop fait chier. Soyons clairs. Voilà, brossage semi-sec. Et là, on peut pousser l'avantage parce que c'est timide, évidemment. Et on peut tout à fait compléter ce travail, ce qu'on va faire. Donc, je vais continuer. Je pense que je peux me faire encore un degré de semi-sec. Je vais me faire encore un degré de semi-sec, les copains. Voilà. Donc, c'est-à-dire, je monte encore en éclaircie. Voilà. Là, étant donné que j'ai éclairci qu'avec de la chair, je commence à être sur un gris coloré bleu clair. C'est ce qui m'intéresse parce que je ne veux pas que ça vire au bleu clair. Je veux que ça reste désaturé. Parce que toujours, je veux que ce soit ma peau qui soit le spectacle. Je veux pas que ce soit le pantalon, le spectacle de la figurine, le point d'attention. Par contre, il doit être bien fait aussi, hein. Évidemment. Voilà, là, dans cette direction, tu as bien compris, Elisabeth. Elisabeth, c'est pour toi que je le fais, hein. Tu écoutes, s'il te plaît, hein. Hein, tu te concentres. Donc voilà, c'est ça. Donc dans le sens ici pour choper mes reliefs, et après dans cet autre sens-là pour faire un éclairage global. Voilà, sur ce que je veux voir accrocher la lumière. Donc je restreins ma zone d'application aussi, hein. Voilà, au fur et à mesure que je fais monter ma lumière. Voilà, je tourne toujours, tu vois, pour croiser mes couches et éviter l'effet coup de, Elisabeth, Elisabeth. Elisabeth, s'il te plaît. L'effet, voilà, l'effet coup de pinceau. Merci. Faut se concentrer, Elisabeth, sur ce qui se passe là, parce que là, je suis pas content. Voilà. Vous avez vu comme le fut, il est apparu tout seul? Effectivement, on voit le muscle dessiné au fur et à mesure. Merci pour l'explication. Voilà. De rien, Elisabeth. Et maintenant, vous savez ce qu'on va faire? On va compléter. Donc ça, ah, j'ai pas fait le cul. J'ai pas fait le cucu. Et les mollets, là, parce que les mollets, ils reviennent perpendiculaires à ma lumière. Donc là, ils chopent la lumière velue. Quand je dis chopent la lumière velue, ça veut dire beaucoup. Hein, vous avez compris. Oh, de toute façon, au bout de 2-3 lives, vous allez comprendre tous les codes de langage. Voilà. Hop, bon exemple, là, vous voyez. Un côté de l'autre, un côté de l'autre, voilà, ça commence à apparaître ici. Pareil ici, un peu moins prononcé peut-être parce que le muscle est plus à l'intérieur. Voilà, sur cette bordure extérieure essentiellement, je m'amuse à faire ça. Là, un petit coup ici, là, parce qu'il y a quand même des petits plis sympatoches. Là, ici aussi. Voilà, on va s'en refaire un petit là. Tac, 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 tac. Voilà. Là, ici, parce que ça ressort, évidemment, c'est le fessier. Voilà, Bane, il fait voilà, des abdos fessiers tous les jours. Voilà, faut en tenir compte dans la peinture. Hein. Le mec, il bosse. Il s'agit de rendre honneur. Voilà. Là, c'est bueno. Alors maintenant, avec un pinceau petit et fin, je vais venir. Alors, il faut que j'ai un noir bien dilué. Tiens, je vais utiliser un noir. Ça, c'est ma petite astuce. J'utilise de l'encre FW. Cette encre-là FW, ça me permet d'avoir un noir profond bien dilué, sans que j'aie à faire de mélange. Donc, je le mets dans ma palette. C'est quasiment la texture de l'eau. Et pour autant, ça reste hyper pigmenté. Et du coup, c'est aussi très fluide à appliquer au pinceau. Et ça me permet, si vous voulez, je vais aller récupérer des creux là. Voilà, les creux que j'ai là, vous voyez, dans mon pantalon là. Je vais aller récupérer ici, je vais essayer de bien me mettre en face, tous ces petits creux là qui sont ici. Voilà, donc là, ici, il y en a un là. Voilà, là, il y en a un là. Il y en a un ici. Un là. Là, là. Et au fur et à mesure que je vais sur le bas, je vais en faire de plus en plus. D'accord? Et là, j'ai débordé comme un cochon. C'est pas très grave. Je mets de l'eau. Ça disparaît. Hop!
Je continue un peu ici. Là, il y a ce creux là. Voilà. Ici, ici, ici. Voilà. Là, il y avait ce creux là. Sympatoche à mettre en relief. Ici. Voilà. Donc, je vais chercher un peu des petits creux, vous voyez, qui me paraissent intéressants à redéfinir. Ici. Là. Là, 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 voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ici de ce côté-là, on va faire pareil, les creux les plus profonds exclusivement, et je le fais d'autant plus que je vais aller sur le bas de ma figurine, toujours pareil, en lumière globale, mon idée, c'est d'attirer l'attention sur le haut de ma figurine. Voilà, donc quand j'ai des creux profonds en haut, évidemment aussi, je vais appliquer mon noir. Hein. Mais sur des creux qui sont moins prononcés, je vais moins y aller. Voilà. Ici, c'est intéressant ici pour la lisibilité de retrouver notre creux ici, je pense. Ça va être intéressant aussi. Voilà. Ici, de remonter un peu mon ombrage pour souligner la naissance de ce muscle-là. Voilà. Là, ici, c'est intéressant de revenir au noir. Je teste si j'ai toujours suffisamment de charge noire sur mon pinceau. Et là, c'est pas idiot peut-être de venir bien ombrer parce que finalement, ce volume-là, il disparaît bien par rapport à l'inclinaison de ma botte. Voilà. Ici, on a un trait qui va être intéressant à redessiner, c'est le costume hein, qui suggère ça. Du noir un peu dilué ici, peut-être pour amener de l'ombrage là, dans l'intérieur. L'amener ici, l'amener là. Voilà, l'amener dans toutes ces parties-là qui ont plus vocation à être ombrées. Je continue à faire le tour de mes petits ombrages. Et après, c'est ce que j'ai fait là avec ces petits traits noirs là qui viennent mettre en valeur chacun des petits plis, en tout cas les plus importants. Je vais faire le même travail, mais cette fois-ci après avec, vous l'avez compris, de l'éclaircissement. Voilà, ici, alors, il y a ça qui est intéressant à mettre en valeur. Ça ici. Voilà, ici aussi, là, c'est bien sombre. Bon, ben voilà. Là, on est plutôt pas mal. Ici, bien la démarcation. Un peu genre slip, là, de son truc. Voilà. Peut-être là, un petit peu. Là, il y a du creux qui est assez violent, assez prononcé. J'ai peut-être intérêt à faire. Voilà. Voilà. Après ici, ça c'est un volume qui disparaît dans l'obscurité. Donc là, c'est pas mal d'aller le souligner. Pas en remontant jusque-là, parce que là, la lumière, elle vient frapper là. Donc il faut pas que mon noir remonte jusque-là. Voilà. Et maintenant, je vais faire pareil avec mes lumières. Voilà, j'essaye de faire un effet lumineux là. Ici, d'apporter vraiment la lumière ici de ce pli. Voilà.
Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. On peut encore le monter un peu en lumière si on veut. Mais pas partout, juste là. Voilà, je pense que ça suffit là. Puis après la lumière vient taper ici. Ouais, ça suffit. On va refaire maintenant la même chose de ce côté-là. Ici. Voilà. Je pense que, entre guillemets, ça peut suffire. Aussi une belle lumière là qui monte. Donc là, hop. On va la faire monter plus largement. Voilà. Hop. Là aussi, donc là j'utilise mon flanc de pinceau et je fais, vous voyez, des plus larges. Je travaille de manière plus large. Je suis plus en précision. Là, je suis beaucoup plus en largesse avec mon flanc de pinceau, pour faire des dégradés un peu plus fondus et plus larges. Et là, normalement, ici, ça doit être un peu plus clair sur ces éclaircies-là, parce que la jambe est un peu plus relevée. Donc, il faut que je sois un petit peu plus marqué dans la lumière ici. Ça paraît assez logique. Alors attendez, je vais vous remettre ça au clair parce que là, sinon vous ne voyez rien. Alors je vais pas aller plus loin parce que si je vais plus loin, tu expliques super bien, je connais rien à la peinture, j'ai tout compris. Ah bah super, effectivement. Hein. J'ai été jeté, j'ai raté quoi? Oh, rien du tout, la légende est vraie. Il paraît que le corps de Zeus a directement été moulé pour créer la figurine de Bane à deux ou trois détripés. Tout à fait. Je ne sais pas, je suis découvert, elle palpitant, je ne sais pas comment tu as cette information. C'est exactement ça. Les autres bouts de Bane. Bah, à quelque chose près, je suis pas loin. Hein. Je veux dire. Je suis pas loin. Hein. Bon, lui, il en a quatre. Bon. Moi, j'ai préféré rassembler sur un, tu vois. Je me disais que c'était. Voilà. Mais hormis ça, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Bonsoir les artistes. Bonsoir Mathieu Gachet. Bonsoir Mathieu Gachet, bienvenue. On a fait un petit moment. On était un peu en mode hypnose. J'ai peint le pantalon. J'ai arrêté de faire le con. J'étais. Voilà. Donc, on a fait ce petit pantalon-là. On va faire un petit peu le derrière, mais on va moins, hein, moins se prendre, pas se prendre la tête, mais on va moins détailler parce que déjà c'est l'arrière, c'est moins face lumière, d'accord? Donc on va le faire quand même parce que on n'est pas des, hein, des tirs au flanc, mais c'est pas important de le bosser autant que devant. Parce que devant, c'était quand même plus exposé à la lumière. Donc, on va le faire quand même. Voilà, donc je fais des petits stries, vous voyez. Là, c'est pareil. Hein. Je vais en faire un peu ici. Alors là, vous verrez moins. Donc, je vais le traiter viteuf. Parce que ça va être un peu plus chiant pour vous. Là. Ce passage-là. Viteuf, je vais faire mes petits éclaircies
de très pas de talons. Voilà, et on va revenir ici, qui est un passage un peu plus intéressant pour vous, le haut du mollet. Ici, là, là, il y a une belle lumière ici. Alors, ouais, le mieux à faire, enfin, le mieux à faire, une des techniques qui n'est pas idiote, c'est de se fixer l'objectif lumière, c'est-à-dire de dire, voilà, ça, c'est la lumière que je veux atteindre. Voilà, c'est pas fondu du tout, hein. On est d'accord. Et ensuite, je vais venir tapoter le bord ici pour fondre cette lumière avec mon pantalon ici. Et voilà, terminado. J'attends que ça sèche. Je peux faire pareil de ce côté. Regardez, c'est tout simple. Je veux plaquer la lumière. Des fois, on se fait chier à faire un petit dégradé. Et puis, je remonte, j'éclaircis, j'éclaircis, j'éclaircis. Une autre technique qui n'est pas inintéressante aussi. Je vous la remonte, je la refais, je me redose un peu en peinture hein, pour pouvoir faire ça bien. Voilà, là, ici, là, je rajoute un peu de bleu, un peu de noir. J'ai un peu perdu de un peu de bleu, un peu de noir là, ici et là, ici, et là, du bien clair. Voilà, donc là, ici, voilà, et je vais même me faire un mélange encore plus clair parce que ça va être un peu trop léger dans l'éclaircie, je pense. Voilà, comme ça là j'ai vraiment un gris très clair sur ma palette. Gris bleu très clair. Donc, je vais déterminer l'objet. Voilà, c'est fondre dans le frais. Bien Mathieu, bien, t'as tout compris Mathieu. Je fonds dans le frais. Je fais ici mon objectif lumière. C'est ça mon objectif lumière. Ensuite, je viens ici un peu tapoter notre limite, d'accord, voilà. Et après je viens avec une couleur plus sombre retapoter ici, voilà, pour avoir une limite qui soit un petit peu plus ténue. Et j'hésite pas s'il faut à reprendre de la couleur, voilà. Et dans le frais je viens un peu tapoter, mélanger mes couleurs. Et il faudra que je le refasse hein, plusieurs fois pour que ce soit bien fait, un peu opaque hein, parce que là c'est encore un peu hasardeux, mais vous allez voir que si je le fais une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné ça va être clean. Donc c'est normal que ce soit jamais clean sur les premiers passages hein. D'accord? Être clean sur un premier passage, c'est louche. Donc c'est complètement normal que ce soit jamais clean sur votre premier passage de peinture, que ce soit encore approximatif, pas très clean, pas très propre. No stress, ça fait partie de la construction de votre éclairage. Donc voilà, là vous voyez, je fais un sketch, hein. C'est-à-dire que avec une couleur plus claire, dessiner un peu les lumières qui vont apparaître ici. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Allez, je refais mon truc de tout à l'heure sur mon autre mollet. Ce qui a séché maintenant, mon autre mollet, là. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà, hop, hop. Et je ramène mes pigments vers la lumière. Voilà. Tiens, un peu tapoter là. Tac, tac, tac. Là aussi. Et en plus, ça fait un peu de texture quand je monte cette lumière. Ce qui n'est pas inintéressant. C'est-à-dire que c'est pas inintéressant finalement qu'elle ne soit pas complètement clean. Qu'il soit pas complètement propre, se dégrader. Ça apporte quelque chose aussi, ce petit côté usé. Voilà. Là, ici, on peut avoir un trait un peu de lumière un peu plus marqué, vous voyez. Tac, tac, tac.
Tac. Et je viens fondre ici dans le frais. Voilà. Donc je vais construire mon dégradé petit à petit comme ça en fait. En fondant dans le frais mes différents voilà, mes petits passages de pinceau. Voilà. Si c'est fait dans le frais, vous voyez. En séchant, ça se voit mieux après, évidemment. Tous ces dégradés-là. Voilà. Là, c'est bon, c'est fait. Celui-là, on va pouvoir le garder tel quel. Lui, on va un peu l'améliorer, là, ici. Voilà. Tac. Voilà. Et après, là où j'ai besoin de faire des filtres pour unifier tout ça, je fais avec un pinceau assez dilué des filtres pour unifier mes couleurs, mes transitions, si je trouve qu'elles sont trop fortes. Voilà, comme je l'ai fait là, je l'ai fait ici. Donc là, on est bueno, ça c'est fait. Là, je voulais pas montrer trop en brillance parce qu'après, j'ai mon métal là. Et d'ailleurs, on va le travailler. On va travailler cette genouillère métal là. Alors, les copains, la genouillère en métal. Je reviens sur mon gris coloré vert que j'avais tout à l'heure. Et on va se faire trois couleurs pour préparer un peu un sketch en fait. Et je vais me faire ça ici. Donc, je me mélange avec ce que j'ai dans la palette. Donc, mes couleurs de chair là. J'ai différentes couleurs de chair plus ou moins claires. Je mélange avec mon gris vert. Pour me faire mon gris vert, un gris vert plus clair et un gris vert qui tire vers le blanc. Gris très clair quoi. Ça, et je vais mettre après l'ivoire sur ma palette aussi pour me faire mes éclaircissements parce que le métal, il faut que j'ai des éclaircies assez poussées. Oh, dis donc, il est tout chaud mon ivoire. Je pense qu'il a fait chauffer. C'est peut-être moi. Là, ici, on est bon. Là, ici, on est bon. On a tout fait. Et du noir, un peu de noir sur ma palette. Ben, j'en ai là. C'est bon. Parfait. Allez, on va se faire. Tiens, on va se faire notre ceinture en métal là. On va commencer par ça. Alors, je rebase ici mon métal. Pour avoir une base assez propre. Voilà, là, c'est fait. Tac, tac, tac. Pour avoir un contraste assez fort et qui ressorte bien, je commence déjà à le démarquer. Donc je vais faire du lining. Donc je fais mon lining ici avec un noir bien dilué. Voilà, ce lining ici va me servir tout simplement à améliorer la lisibilité de cette zone. Je vais la faire sortir. Donc le lining, c'est toujours très bien pour délimiter vos zones de travail. Distinguer les différentes matières les unes des autres, ça ne fait jamais de mal, un bon petit lining. Après, un lining très prononcé au noir peut avoir tendance aussi à rendre un effet comique sur votre peinture, un petit effet dessin. Des fois, c'est pas forcément cherché dans tous les styles de peinture. Inutile de vous dire que là, pour cette peinture de Bane, cet effet-là ne nous dérange pas. Donc du coup, voilà, j'ai bien détouré mon ceinturon. Évidemment, je détourerai ma ceinture après aussi, vous verrez. Donc voilà, je prolongerai cet effet en faisant ça. Voilà, mais bon. Allez, je le fais parce que j'y suis, mais ça, c'est quand je ferai ma ceinture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer aujourd'hui, enfin aujourd'hui, là, le NMM sur cette ceinture. On a une surface plane. Donc là, si on se contente de garder une couleur unie, ça va être un peu tristoun. On va graphiquement y apporter un peu de texture. Donc là, je vois qu'ici, il y a un léger décalage. Ici, là, j'ai l'impression que la sculpture fait un relief et un creux là. Donc je marque ces deux creux là. Voilà. Maintenant, je vais aller taper mes zones de lumière. Évidemment, le dessus, parce que c'est une lumière zénithale. Donc je prends mes zones de lumière ici. Et après, il faut créer aussi des effets un peu graphiques. Donc, ici, je vais faire descendre ma zone de lumière là. Ici, là.
Ici, pareil, là sur le côté. Là, ici. Et tiens, si on faisait un petit effet lumineux, ici, là. Voilà. Et un autre un peu là. C'est bien de rester sur du... d'essayer de ne pas être trop scolaire, donc de pas complètement centrer aux effets de lumière, de texture, etc. Voilà, de le faire un peu en décalé, vous voyez, ça évite le côté très scolaire. Voilà. Donc là, on a ce premier passage-là. On repasse un petit coup sur ce qu'on vient de faire, parce que un passage a suffi à suggérer, mais pour confirmer ma couleur, c'est un phénomène de calque, hein, il faut que j'y repasse une seconde fois. Ce qui est intéressant dans les LMM et ce qui fait que le métal paraît métallique, c'est tout simplement qu'il y a des forts contrastes sur des petites surfaces. Donc je vais venir en juxtaposition de mes surfaces créées là de lumière, y faire aussi des zones d'ombre. Voilà, par exemple ici. Voilà. Je continue à monter en lumière. Maintenant, ici, point lumineux. Ici, point lumineux. Ici et ici sur le dessus, bien évidemment. Et là, en plein mitard. Donc, je reprends ici ma peinture, qui est un petit peu sèche peut-être. Je vais rajouter de l'eau s'il le faut. Voilà. Donc là, je commence à avoir, vous voyez, un petit effet métal qui commence à apparaître. La symétrie, c'est pas bien. Tout à fait, t'as compris. Bonjour, pour un débutant, vous conseillez quelle peinture? La Valentine. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, je rigole, bien évidemment. Bah, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise peinture. Et le suçage de pinceau, c'est quelle technique? Alors ça, c'est Rocco Siffredi qui m'a appris ça. C'est, tu peux, alors ce que je fais là, tu peux le faire aussi sur un sopalin. Après, tout dépend des réflexes que chacun a. Je les peintures, je pense pas qu'on risque grand-chose. Par contre, je le ferai pas avec des peintures métalliques. Hein. Voilà. Oui, alors, quelle peinture? En fait, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise peinture, sincèrement. Il faut que tu peignes avec une peinture avec laquelle tu es à l'aise. Et en fait, les marques vont avoir des proportions un peu différentes. Certaines marques vont avoir des peintures qui sont plus couvrantes, d'autres qui vont être plus satinées et d'autres moins couvrantes. Et d'autres, par exemple, la scale, très chargée en médium, donc pas forcément facile à bosser. En tout cas, il faut bien la mélanger et qui va avoir un rendu très mat. Donc là, je dirais, il faut expérimenter, voir les peintures avec lesquelles tu es à l'aise, pas hésiter à mélanger les gammes, c'est-à-dire à piocher chez l'un, chez l'autre. Et à chaque peinture va correspondre une manière de bosser un peu différente, mais c'est assez logique. D'accord? C'est même tout à fait normal, parce qu'elles n'ont pas la même manière de se comporter. Donc il est tout à fait naturel que tu ne peignes pas tout à fait de la même manière selon la peinture avec laquelle tu bosses. Et en fait, après, c'est pas juste de dire, tiens, si je bosse avec telle peinture, il faut que je me renseigne quant à savoir comment faut la bosser, sinon je trouverai jamais. Après, avec l'expérience, quand tu vas avoir la peinture sur ta palette et que tu vas commencer à jouer avec, tu vas savoir, tu vas reconnaître tout de suite ben comment tu vas pouvoir la dompter. C'est ce qui se passe pour moi avec la scale, tu vois. La scale, j'en avais acheté beaucoup, sur un peu sur un coup de tête, hein, bon, voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, c'est con, ces peintures, je les ai, mais je m'en sers pas parce que je suis pas à l'aise. Bon, ben, je vais essayer de bosser avec, de me forcer. Et c'est ce que j'ai fait en faisant la peau, par exemple, de Sbane. Bon, j'avais commencé sur un autre projet avant aussi à faire ça. Tout simplement pour voir un peu comment elle se comportait, essayer de comprendre. C'est-à-dire de me dire comment il faut que je bosse avec cette peinture pour qu'elle m'apporte quelque chose et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Et voilà. Et c'est comme ça que ça. J'ai ma peinture qui sèche à une allure là. Et c'est comme ça que ça te. Que tu peux progresser sur des gammes de peintures et des gammes des peintures avec lesquelles tu n'étais pas à l'aise au départ, finalement te dire bah c'est pas mal en fait, j'arrive à faire des trucs moi avec cette peinture. Et elle peut même t'ouvrir des horizons, des perspectives, voilà. Et toi tu vas la trouver bien cette peinture.
et un autre qui l'aura pas expérimenté ou qui aura un style de peinture qui ne correspondra pas à cette gamme, eh ben, te dira que c'est de la merde. Mais en fait, c'est pas que c'est de la merde, c'est juste que elle est plus ou moins adaptée à tel ou tel type de peinture et que c'est au peintre de s'adapter évidemment à sa peinture pour pouvoir en tirer meilleure partie quoi. Donc la scale, effectivement, tu sais qu'avec, bah, tu vas pouvoir jouer sur les transparences peut-être plus facilement parce qu'elle est effectivement pas très couvrante et il faut quand même un certain nombre de passages pour qu'elle couvre. Donc du coup, comme dans beaucoup de choses dans la vie, ça a ses avantages, ses inconvénients. Avantage, comme c'est peu couvrant, bah, si tu vas vouloir t'envoyer sur des dégradés, bah, c'est pas inintéressant parce que tu vas pouvoir faire monter tes dégradés petit à petit, tu vois, avec cette peinture qui est peu couvrante. Donc ça va te faciliter ce travail-là sur le dégradé. Ça, c'est l'avantage. Inconvénient, ça n'a pas de pouvoir couvrant. Donc pour tes couches de base, ça va être un peu long, quoi. Un peu long, en tout cas, voilà. Tu vas devoir peut-être plus charger, moins diluer. Donc après, une fois que tu connais, que tu sais qu'elle fonctionne comme ça, bah, tu t'adaptes. Et après, le tout de voir, c'est si ça te plaît et que, voilà. Tu bosses alors. Mathieu, le pinceau que tu utilises, c'est quelle taille? Du 2, c'est un Winsor & Newton série 7 Finest Sable taille 1. Mais tu peux faire avec du 2 aussi. En fait, ce qui compte dans un pinceau, au-delà de la taille, c'est surtout la qualité de ta pointe. Voilà, il faut que tu aies un bon réservoir, quand même assez chargé, mais surtout une bonne pointe bien pointue, pour être précis. C'est-à-dire que tu peux avoir un pinceau énorme, s'il a une belle pointe, bah c'est bon. Voilà. Tu vois, moi, il a une relativement belle pointe. Bon, en même temps, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, celui-là. Alors après, nous, les peintres pro, on a tendance à les bouffer, hein, les pinceaux. Alors après, moi, bon, il a du mal à faire la mise au point, hein, je suis désolé. Mais voilà, il faut une pointe. Fais la mise au point où je vais te taper. T'as pas vu ce que. Ah, voilà. Voilà. Fabien Valadier. Oh, c'est un copain, Fabien Valadier. Un ami de la vraie vie. Tu bosses. On s'est pas vu depuis. Mathusalem. Tu bosses un peu avec la peinture Guns? Non. Je connais de nom. J'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais bossé avec la Guns. Donc je ne saurais pas te dire. Voilà. Alors sur mon petit ceinturon, hein, on a tchatché, mais voilà. Il commence à être fait dans mon petit ceinturon. Tiens, je vais ajouter un petit peu de noir ici pour apporter encore un peu de contraste là. Voilà. Je vais en rajouter un petit peu ici aussi, là, dans ce petit coin-là. Hop, pour ajouter un peu de contraste. Alors vous voyez là, ma pose de lumière, elle n'est pas du tout mathématique, hein. Dans la vraie vie. Je ne sais pas si la lumière se poserait comme ça, mais on s'en fout. Ce qu'on cherche, c'est l'effet graphique. Vous avez compris. Voilà. Donc là, maintenant, je vais apporter des spots of light. Donc c'est des petites dernières touches qui vont permettre d'apporter l'éclat. Voilà. Ici, là par exemple. Ici, ici un peu. Ici, ici. Un peu ici aussi. Un peu là. Voilà. Bon, voilà. Mon ceinturon métallique. Pas poussé trop non plus, parce que le but, c'est pas qu'il prenne le pas, hein, sur le reste. Je vais peut-être un peu pousser. Je le pousserai peut-être moins davantage. Moins fort. Mais bon, c'était pour montrer un peu. Voilà. Et après, on va faire ce même travail-là. Tiens, ici, par exemple. On va se faire un sketch ici sur l'effet métallique. Donc en sketch, on va avoir ici un éclairci. Donc quand je dis je sketch, c'est-à-dire que je pose mes lumières. Je ne cherche pas à faire du dégradé là. Je pose où va être ma lumière. Donc je vais sketcher mon genou. Donc je sketch ma genouillère. Voilà. Sketchons. Voilà, si j'arrive à bien sketcher, c'est pas simple. En étant un peu tordu, puis en plus je sors du cadre. Voilà. Voilà.
Voilà. Voilà. Donc voilà, je commence à avoir l'effet métallique qui apparaît tout doucement. Ici, important d'apporter de la lumière, même si c'est en dessous, il faut en apporter un petit peu. En texture, ça peut aller, hein, parce qu'on peut estimer aussi que la genouillère est un peu vieillotte et qu'elle a morflé, bien évidemment. Donc on n'est pas obligé d'être sur un travail hyper poli. Ça veut pas dire vulgaire, hein, vous avez compris, poli dans le sens métal poli, quoi. Pas dans le sens vulgaire. Vous avez compris. Alors, ici, hop. Alors, pourquoi je fais arrondi là? Parce que j'ai un volume arrondi. Règle d'or du NMM. Quand tu traces une lumière sur une surface, si cette surface est ronde, ton sketch et tes arcs de lumière doivent être en rondeur. Si cette surface est en angle, avec des angles bruts, c'est souvent plus intéressant que tu travailles du coup avec le même style graphique, c'est-à-dire des angles. Ce que je te dis là, c'est une tendance. Mais comme toutes les règles, c'est fait pour être contourné, ce qui veut dire que évidemment, tu peux obtenir aussi de très bons effets en ne respectant absolument pas les règles que je viens de t'énoncer, bien évidemment. Mais voilà, c'est quelque chose que tu peux garder dans un coin de ta tête, que vous, excuse-moi, je me permets, je te tutoie, mais on est plusieurs déjà, donc c'est vous. Voilà, là c'est bon, là ici, un petit peu de lumière quand même, voilà, pas énorme, mais un petit peu quand même. Voilà, et je vais continuer à affirmer un petit peu le sketch, c'est-à-dire à le rendre un petit peu plus précis, et puis ajouter quelques spots of light là par exemple, hop, ici, 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 ici. Voilà, voilà pour cette genouillère. Oui, les miens, boîte morte, il va falloir faire des achats. Ah oui, la pointe, si elle est morte, il faut à tout prix acheter. Tu ne peux pas bosser avec un pinceau à pointe pourrie, c'est mort. C'est mortel, tu n'arriveras à rien. Tu n'arriveras à rien. Elle est aussi très match, j'apprécie beaucoup. D'accord, la Guns, ben j'essaierai un de ces quatre si je peux. Tu vois, moi, je suis curieux des nouvelles pertes. Perso, débutant, je conseille Citadel, un poil cher. Mais j'ai pas test meilleur couvrant. C'est vrai que pour les débutants, la citadelle est pas mal parce que elle permet d'avoir des aplats très propres rapidement. Donc c'est vrai que c'est pas inintéressant. Tu as raison pour les débutants d'avoir cette capacité de couvrance assez entre guillemets facile quoi. Je vais rajouter maintenant un peu de noir parce que dans tout NMM qui se respecte, il faut un peu de noir. C'est ce qui crée d'ailleurs. Oh, le fameux pinceau s'en va. C'est ce qui crée d'ailleurs l'effet métallique. C'est la juxtaposition de surface claire et de surface sombre. Avec un écart chromatique important, les unes très proches des autres. Donc vous voyez, voilà, pour accroître l'effet métallique. Là, je vais creuser un peu ici, là, mon sillon. Hop, voilà, pour bien marquer ici la délimitation de ces deux zones. Voilà. Et je vais pousser un peu mon travail, là, que j'ai arrêté un peu tôt, ici. Voilà, et ici. Avec là un petit retour de la lumière, c'est pas inintéressant de faire osciller aussi. Osciller, osciller du verbe osciller, de l'oscillation. Voilà, c'est-à-dire, une fois que la lumière part dans l'ombre, hop, de retrouver de la lumière un peu plus loin. C'est toujours intéressant, ça fait. Ça rend votre métal vibrant et plus vivant.
Donc ne pas hésiter quand vous partez dans l'ombre à le faire remonter à la lumière votre métal au fur et à mesure de votre travail. Voilà, là, par exemple, ici, voilà, je peux rajouter une lumière ici. Un peu l'estomper là. Voilà, rajouter un petit spot of light ici. Un petit spot of light là, là. Voilà, bon, c'est histoire de rendre tout ça un peu plus vivant et que la figurine ne soit pas ennuyeuse à regarder sur un autre angle. But aussi, hein. Voilà. Là, pareil, j'amène de la lumière ici. Voilà. Là, c'est un petit peu pas propre. Manque un peu de propreté, donc on va ajouter un peu de. Et je fais mon tour ici parce qu'il faut que je garde en lisibilité quand même. Hein. Voilà. C'est-à-dire que là, ici c'est bon. Et ici, ça va, c'est bon. Voilà. Bon, là, je fignole, hein, mais objectivement, je pourrais arrêter. Je vais passer à autre chose là. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Allez, je m'en rajoute encore des petits spots of light. Pareil, les spots of light, c'est tout à fait normal que d'être obligé d'y revenir à plusieurs reprises. C'est-à-dire vos points lumineux, vous les placez, quand ça sèche, vous allez vous rendre compte que votre point de lumière s'estompe un petit peu. C'est tout à fait normal. Moi, faire monter un petit peu là, la lumière. Voilà. Voilà, allez, je peaufine, mais c'est bon, on est pas mal là sur cette jambière là. Ça suffit, il faut pas monter trop parce qu'il faut pas que ça prenne le pas sur le reste. Je vais faire ce travail que j'ai fait là, je vais le faire en bas maintenant sur ma botte. Mais j'ai peinture qui sèche très très vite. Donc je vais me refaire un petit jus, les copains. Voilà. Avec ici. Mon gris moyen. Oh là là, ça a bien. Oh là là, mon Dieu, ce que c'est dégueulasse. Bourque. Allez, tic-tac, 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 touc. Voilà, que j'éclaircis avec de la chair. C'est quoi la chair que j'ai utilisée pour éclaircir? Je sais plus. Allez, light skin, au hasard. Zos, tu peins que des figurines ou tu fais des illustrations aussi? Non, je peins que des figurines. Mais c'est vrai que j'aime bien dessiner. Et quand j'étais petit, je dessinais beaucoup, ouais. Enfin, quand j'étais petit. Jusqu'à 25, ouais, 25, 25 ans à peu près. Enfin, je dessinais beaucoup, je dessinais pas mal. Et c'est vrai que ça aide d'avoir travaillé le dessin. Ça aide parce que, mine de rien, on utilise beaucoup de techniques 2D dans la peinture de figurines. Beaucoup, beaucoup. Le NMM, ça n'est que ça d'ailleurs. Le non-métal métallique, c'est tout simplement recréer un peu à la manière d'un dessin à plat 2D la brillance d'un métal sur une figurine. Donc, effectivement, on utilise, enfin, ça, c'est un vrai plus, je pense, hein, pour un peintre, que d'avoir un peu des notions de dessin et de peinture, tout ça, tout ça. Ça, c'est clair et net. Après, attention, il y en a qui n'ont pas du tout de dessin de peinture, de dessin, quoi que ce soit, et qui peignent comme des dieux. Hein. C'est pas du tout, on va dire, systématique et nécessaire dans tous les cas. Mais bon, c'est un plus, évidemment. Ouais, figurine de jeune enfant, très petite, effectivement. Hein. Là, je teste des nouvelles peintures AK Third Gen. Oh, AK 3e génération, j'imagine. Après, je suis une feignasse en dilution, alors la peinture spéciale aérographe, c'est top. Ouais, oui, c'est pas mal parce que tu dilues pas, c'est en sortie de peau, c'est déjà très bien, puisque c'est fait pour être fluide, puisque c'est fait pour aller dans l'aéro. Donc, effectivement, on peut tout à fait peindre avec des peintures destinées à l'aéro. Alors là, je vais faire ma coque. Donc, ma coque. On va déjà se faire la couche intermédiaire de notre coque. Donc, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de me démerder pour que vous puissiez voir. Mais effectivement pas simple parce que ben, y a le genou qui vient devant. Voilà. Donc je base ma coque. Je vais faire pareil sur l'autre coque.
Hop. Jusque-là, rien de bien complicado. Alors, comme c'est de la scale, je vais devoir baser un deuxième coup pour avoir quelque chose d'opaque. C'est tout à fait normal. J'attends que ça sèche. En attendant que ça sèche, qu'est-ce que j'ai oublié de faire que je voulais faire? Oui, mon autre genou hier, pardi. On rigole, mais. Voilà. Donc voilà, je fais aussi mon autre genouillère que je fais monter en lumière doucement, mais sûrement. Déconne pas, je suis artiste peintre et je galère de ouf en NMM. Ah ouais, non, mais le NMM, c'est super dur, hein. Oh là là, faut à tout prix que je mette en place ce Discord là parce que. Ça me fait triper, moi, de savoir que ouais, toi, t'es artiste peintre, qu'il y en a un qui a peint telle figurine avec qui on est en train de discuter, qu'il y en a un de vous qui a peint tel autre bonhomme et tout. Et moi, j'ai envie de voir tout ça, moi. Ce que vous peignez. Donc, on va mettre en place ce Discord viteuf, les copains. Comme ça, quand vous serez dans le chat, on pourra après sur le Discord, ensemble, se montrer un peu ce qu'on a peint, discuter, tout ça. Bon, il y en a beaucoup qui le font déjà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des visuels et des commentaires de ceux que je reconnais dans le chat, quoi. De voir un peu ce qu'ils peignent et tout, ça me ferait kiffer. Donc on va le faire, hein, puis après je vais voir comment je peux vous inviter. Je suppose qu'il suffira que je mette un message dans le chat avec le lien vis-à-vis du Discord, hein. Je pense que ça suffit. Pour que vous puissiez, vous, après, y aller. Oula, j'ai bouffé ma peinture sans trop l'avoir trempée dans le godet. En gros, j'ai bouffé de la peinture, quoi. Ah, c'est pour ça que tu m'avais contacté pour le NMM. Ok, d'accord. Ok. Ah ouais, non, mais je suis désolé, j'ai dû passer. Il y a eu un moment donné où j'étais vraiment tête dans le guidon et je sais que j'ai raté des trucs. Et à mon avis, t'es même pas le seul, tu vois. Donc, je suis vraiment supra désolé pour ceux à qui j'ai pas répondu. C'est pas que je vous snob, loin de là. Mais c'est que c'était complicado. Là, je vois le jour, mais. Mais c'était complicado. Voilà, donc je fais monter ma petite genouillère, tranquillou. Ici, un peu de tapotage, de tatique. Voilà, pas bien méchant. Non, 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 non. On va faire notre coque. Hein, c'est ça que vous attendez tous. La coque. La co non. Pas la, pardon, pardon YouTube. La coque cul. Enfin, la coque de chaussure. Hein, pas la coque. Mon Dieu. On n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin, les gars. Pas évident de bosser, puisque un peu dans l'ombre, ce petit coquet là. Mais on va y arriver. On va le faire. Doucettement, tranquillement. On va le faire monter. Même s'il veut pas. On va y arriver. On va le faire monter. Sans qu'il s'en rende compte, le bougre. Voilà. Voilà. Les mêmes de la deuxième là, qui commence à monter tranquillou, tranquillou bilou. Là, on fait remonter un peu la lumière ici. Là. Si on peut, là, pareil, on fait un peu remonter la lumière, pas trop non plus. Parce qu'il s'agit d'une partie qui est dans l'ombre. Voilà. Là, évidemment, oui. Il faut le faire. Avec une petite remontée de lumière là, là, ici. Bon. Après, des petites touches de noir ici pour bien mettre en valeur la brillance, créer le contraste. Donc, on peut la mettre ici, là.
Touche de noir. C'est pareil. Hop. Pareil. Petite touche de noir en arc de cercle. Voilà. Ici. Hop. Voilà. La séparation là, bien comme il faut. Voilà, et des spots of light, et on aura terminé. Poc, poc. Voilà, des petits spots of light, je vais en mettre ici, ici, et ici. Voilà pour le NMM, on peut un peu élargir là ce NMM là, on peut l'amener plus loin, apporter un peu plus de lumière là, voilà, agrandir un peu cette zone là de lumière, voilà, là c'est pas mal, voilà, nos deux genouillères sont faites, alors on va faire les coques, les coques. Et j'ai bien envie de me faire le Batman à cause de toi, Zoz. Bah, grâce à moi, faut pas dire à cause, grâce à moi. Et tu pourras nous le montrer sur Discord. Yes, Mathieu. Ça va être top. Pour l'instant, je suis en pause sur Jeune of Arc. J'ai fini des figues pour Shakespeare. Très beau Shakespeare, des belles figurines. Bon, de toute façon, Games, ils font de très belles figurines. Ouais, une partie Nemesis aussi. Putain, j'adore Nemesis. J'ai commandé Nemesis. J'ai craqué. J'avais pas pu. Enfin, j'étais passé à côté au premier Kickstarter. Et là, le deuxième, j'ai craqué. Alors là, la coque. On va faire notre petite lumière là. Donc, on va dire que ça vient là. Et que ça vient là. Voilà, on se crée un petit effet graphique, vous voyez. Alors, toujours arrondi. Pourquoi? Parce que là, j'ai un volume arrondi. Vous avez compris ma philosophie. Ma philosophie. Volume arrondi, je traite en arrondi. Donc je fais mon arrondi là. Hop. Là, c'est droit. Je traite droit. Voilà. Et entre les deux là, je laisse ça parce qu'il me faut de la variété. Donc je ne peux pas mettre de la lumière partout. Donc voilà. Là, on est bon. Maintenant, je monte un peu en lumière. Et je viens sur une surface plus restreinte. Ajouter de la lumière dans mon arrondi ici. Hop, je le fais encore un peu. Voilà. Et ici, sur la tranche là. Et je peux, si je le veux aussi, m'accorder ici un ombrage plus fort. Voilà, pour toujours pareil. Le but, c'est d'avoir sur des surfaces assez réduites des écarts chromatiques. Vous l'avez compris. Toujours cette notion de j'ai une petite surface et sur cette petite surface, je vais passer du noir au blanc. Au gris intermédiaire et ainsi de suite. Voilà. Voilà, j'essaie de créer un effet un peu graphique type comics, on va dire. J'essaye, hein, je dis pas que j'y arrive, hein. Après c'est pas tout le temps facile, hein. Après ce qu'il y a de bien, moi je le fais pas là, mais quand vous peignez solo, c'est de pas hésiter à vous mettre des banques de données d'images là sous les yeux et d'essayer de voir tiens comment vous tapez sur comment s'appelle ce truc là c'est ce site où il y a plein d'images plein 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 Pixa quelque chose je sais plus non c'est pas Pixar quelque chose bon enfin vous avez compris peut-être que quelqu'un dans le chat va comprendre par télépathie de quoi je parle et vous avez trouzaine de trouzaine de d'images voilà. Voilà et ça peut vachement vous aider voilà la botte là qui commence à monter et après si on rajoute les petits spots of light ben c'est ça qui fait la magie du NMM vous allez voir
Cook. Voilà, la magie du NMM. Pas si on le voit bien. Un peu flou, hein. Et ouais, avec le genou devant, c'est pas tip top. Avec le genou devant, c'est pas tip top. Ça se voit peut-être mieux de loin, finalement. Grosso merdo, mon histoire. Voilà, alors après, vous affinez un peu. Hein. Voilà, ici. Ça mérite un peu d'être affiné. Voilà. Et après, vous faites votre petit surlignage noir ici, toujours, pour avoir une finition propre. Et ça finit bien votre travail de NMM. Voilà. Là, pour l'instant, je pense qu'on va laisser les semelles noires et après, on viendra les travailler avec un gris. Un peu, juste les éclaircir avec un petit peu de gris. On n'ira pas beaucoup plus loin parce que ça doit pas être très brillant. Cette partie-là, c'est de la semelle, hein. C'est caoutchouteux, donc ça va prendre la lumière, mais très légèrement. Ça va pas être violent. Et la renvoyer aussi très légèrement. Donc on va pas être sur des éclaircies et des ombrages forts pour cette semelle. Du tout, du tout. Voilà, je fais des petits traits à droite, à gauche, des petits points de lumière, des petits voilà pour ajouter de la vivacité à mon NMM. Voilà, hop, j'ai ajouté un peu de lumière encore là. Voilà. Pas mal là. On est pas mal. Pinterest. Bravo. Merci Elisabeth. Voilà. Voilà. Je prends mes figurines de Zombicide Black Plague histoire de mettre en application tes conseils. Mais oui, c'est le but. Et tu les posteras les photos sur le Discord. Il va exploser le Discord. C'est dingue. Ça va exploser. Les gars, ça fait combien de temps qu'on est ensemble là? On discute, on discute. On a commencé à 21h. Ça fait 22, 23 heures, ça fait plus de 2 heures. On a bien avancé quand même, qu'est-ce que je fais? Je fais l'autre bobote là, je fais ça, et puis après on arrête et on terminera. On terminera. On essaiera de terminer jeudi prochain. Mais bon, on est pas mal là, on n'a pas trop glandouillé quand même. On a un peu discuté, on a un peu traîné, mais bon. Hein? C'est correct. Allez, je fais cette petite botte là. Alors, là. Petite, je vais essayer autant que faire se peut de reproduire ce que j'ai fait là, un peu là, hein, dans la même idée, mais peut-être moins affirmé. Pourquoi? Tout simplement parce que cette partie-là est un peu plus à l'ombre, puisque le pied est un peu plus en retrait. Quoi que cela dit, il capte la lumière ici, parce que il sort vers l'extérieur du bonhomme. Donc peut-être que je dis du caca et que finalement on va faire un peu la même chose. Hein. On va peut-être faire ça finalement. Allez, on est parti. Faut que ça sèche par contre. En attendant, je base en noir ma semelle. Bon, bah j'espère que vous avez passé un bon moment, les copains et les copines. Vous avez bien discutaillé. On aura le Discord la prochaine fois, ça va être sympa. On pourra un peu montrer, et puis peut-être que je ferai un peu. Il y en a pas mal qui font ça, là. Les peintres de figurinistes, vous savez, ils regardent les figurines des autres et ils disent là, c'est pas bien, t'as fait de la merde. J'essaierai peut-être de faire ça avec. Ça peut être sympa, une vidéo YouTube là où je critique. Ouais, je critique, je dis ah, ça, c'est de la merde. Ah, ça, c'est de la merde. C'est bien, ça peut être rigolo. Ça, je vais faire ça, moi. Je vais faire ça.
Et il y a plein de chaînes qui le font, hein, et ils le font bien, hein, je blague, hein, French Wargame Studio qui le fait, tout ça. J'espère qu'ils n'ont pas déposé le truc. Si je le fais, peut-être avoir un procès, non? À craint. Bon, allez, je décroche, bonne soirée, bon visage. Hop, tu sais, on est en train de terminer. Donc oui, hésite pas à me MP en message, hein, Mikey. Voilà, pour qu'on rattrape le coup. Sympa ces lives, j'y reviendrai. Eh ben écoute, c'est très sympa à toi d'être venu. Voilà. Je suis très content que ben voilà. Et puis je vois au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de monde à chaque fois. Donc ça fait plaisir, c'est sympa. Très sympa. Moi, ça me plaît beaucoup en tout cas. Et puis si on peut en plus rajouter notre petit Discord pour que je vois un peu les photos de ce que vous faites, etc. Qu'on échange là-dessus. Et puis après, on est toujours libre de discuter de choses et d'autres aussi, c'est ça que j'aime bien. Donc faut pas hésiter hein, sur le chat à prendre la parole, à partir dans n'importe quel sujet qui peut vous intéresser. Notre parole est libre. Et puis si on se fait kicker, on se fait kicker, c'est pas grave, on reviendra la semaine prochaine. On n'est pas ça près, nous. On s'est déjà fait bannir de YouTube. Enfin, bannir. Ils m'ont pas exclu, hein. Ils m'ont fait sauter une vidéo, ça va. Ça va. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi. C'est assez mystérieux. Mais bon, c'est comme ça, hein. Je pense qu'il devait peut-être y avoir dans ma playlist une musique qui n'était pas libre de droit. C'est la seule explication que je vois, mais ça m'étonne quand même parce que il me semblait avoir pris les précautions, justement, dans la playlist que je passais. Mais bon, il est possible que j'ai pas été assez vigilant, hein. Donc après c'est pas grave hein. Oh, c'est un peu emmerdant parce que c'était une vidéo tuto sur NM, enfin pas NMM, sur le feu. J'avais fait un effet feu qui était assez enfin plutôt réussi, enfin c'est pas pour me vanter mais je pense plutôt réussi, à tel point qu'il y en a qui pensaient que j'avais un peu triché sur Photoshop. Et justement c'était pas mal la vidéo parce que ça permettait de dire ah bah non j'ai pas triché, regarde il y a une vidéo. Peux pas, je suis timide. Oh, faut pas être timide. Donc voilà. Alors j'en profite. Ah oui, l'instant pub, à chaque fois j'oublie. Si vous aimez, vous likez, vous partagez, hein, vous faites tout ce qu'il faut. Parce que le but, moi, c'est de développer cette chaîne et de pouvoir faire de plus en plus de choses. Là, je me limite à un live le jeudi soir et j'essaye de monter des tutos complets que je propose. Mais j'aimerais bien pouvoir monter ça à bloc, les gars. Voire même créer des nouveaux concepts, avoir des invités. Enfin, franchement, j'ai pas mal d'idées que je garde pour moi en secret. Mais pour pouvoir le faire, ça prend du temps. Et donc, il faut de l'argent. Toujours pareil. Parce que le temps que je passe à faire ça, je fais pas de commandes. Enfin, voilà, en gros, je fais pas des choses qui me rapportent. Mais ça me plaît de le faire. Alors, je pense que la meilleure solution, enfin, la solution que j'ai trouvée, c'est le Tipeee. Donc, si vous avez les moyens, uniquement si vous avez les moyens, et que vous voulez participer et donner un petit sou, que ce soit périodique ou même en une fois, eh bien écoutez, ce sera avec grand plaisir parce que ça sert pour la chaîne et ça permet de pouvoir la développer. Et si on est plusieurs à faire ça, eh bien écoutez, on pourra peut-être faire de grandes choses. Déjà acheter un micro de très bonne qualité, enfin de meilleure qualité que ce que j'ai là, déjà. Peut-être améliorer la captation aussi, mais c'est surtout plus. Parce que je pense que le matos est assez correct. Faire plus de choses, des vidéos montées, enfin essayer de faire des trucs hyper chiadés. Voilà. Mais je voulais pas faire de contenu Patreon avec des contenus réservés. C'est-à-dire en gros, si tu as les moyens, tu y as accès. Mais si t'as pas les moyens, ben, passe ton tour, quoi. J'étais pas trop à l'aise avec ça. Enfin, pas que j'étais pas à l'aise, mais bon, enfin bref, je n'avais pas envie. Voilà. Elle était flambante cette vidéo. Bravo, Christian. Donc voilà, si vous voulez, le Tipeee a le lien hein, dans le message. Alors après, l'idée, moi je veux pas que si quelqu'un veut lâcher un gros billet, mais tu peux, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je compte pas sur ça, moi je compte plus sur plein de gens qui lâchent des petites sommes. Voilà, c'est ça le but. À la manière d'un, tu vois, d'un copain qui te paye un petit café ou un truc comme ça. Et comme ça, comme on dit, hein, les petits cours d'eau font les grandes rivières, ou les petites gouttes d'eau font les. Enfin, vous avez compris l'histoire, quoi. Et on peut peut-être arriver à quelque chose de sympa et moi me dire, bah tiens, allez, coup d'accélérateur là, parce que le type il marche. Donc je peux me permettre de lever le pied sur les commandes. Et
on fait du contenu de malade mental, toujours bien sûr figurine, hein, sur cette chaîne. Des trucs évidemment plus bossés que ce qu'on fait là. Là, c'est de la déconne. Mais en gardant toujours le ton de la déconne, hein, rassurez-vous. Hein. Le but, ça va être peut-être même d'y aller encore plus. D'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire en termes d'univers parallèle de la figurine. Je sais pas, il y a peut-être un créneau à prendre maintenant, là. Bon, de toute façon, s'il n'y a pas de créneau, je le ferai quand même parce que c'est comme ça que je fonctionne, moi. Pas faire un truc trop carré, vous avez compris. Iggy TV, salut Zoz. Alors Iggy TV, très très bonne chaîne Iggy TV, et Iggy TV, il a besoin de votre soutien parce qu'Iggy TV, si alors ça va vous coûter cher, hein. Entre moi et Iggy TV, vous allez lâcher des thunes, les gars, parce que Iggy TV, il a besoin d'argent. Donc allez sur son Tipeee parce que sinon en septembre, c'est rideau. Je crois que je résume bien Iggy TV, hein. Tu me le dis si je me trompe, mais je crois que c'est ça. En septembre, c'est rideau parce que, il arrive à un stade où ça paraît assez logique. Hein. Il faut qu'il gagne sa croûte, j'imagine. Hein. Enfin, allez voir sa vidéo. Hein. Il y a une vidéo où il en parle évidemment mieux que moi, puisqu'il parle de lui. Mais en synthèse, puisque vous êtes là et qu'on en parle, voilà. En septembre, s'il n'arrive pas à mettre en place un Tipeee qui rapporte suffisamment, c'est rideau. C'est rideau. Et c'est dommage parce que Iggy TV, moi, je suis pas, j'ai pas tout vu de Iggy TV. J'ai découvert peut-être un peu sur le tard, mais je trouve qu'il y a un ton, c'est très franc. Moi, j'aime bien. Je sens un mec franc derrière. Je sens un mec éminemment sympathique, éminemment sensible. Et moi, ça me touche beaucoup, ça, la sensibilité. Même si j'ai pas l'air, je peux passer pour un bourrin de temps en temps, mais je suis très attentif à ça. Et je pense sincèrement que c'est un gars qui mérite d'être aidé. Parce qu'il fait des trucs intéressants, super et hyper good vibes. Il a fait une très bonne émission avec Fabrice Tran, un ami peintre pro que j'adore. Voilà, c'est good vibes. Il m'a fait découvrir Gazland, notamment, que j'adore. Donc, Iggy TV, allez-y. Hein. Et si vous devez choisir entre Iggy TV et moi pour lâcher des sous, écoutez, allez, vous lâchez pour Iggy TV et puis le mois prochain, vous lâchez pour moi. Et puis voilà. Non, blague à part, Iggy TV, c'est plus important que moi. Enfin, parce que en septembre, j'arrêterai pas, je serai encore là. Hein. Mais Iggy TV, il fait des contenus qui sont plus exigeants que ce que je fais moi, je pense. Moi, c'est les tutos surtout, hein, montés qui sont exigeants, mais Iggy TV, par rapport à ce qu'il veut faire, et s'il veut continuer à pouvoir le faire pleinement, et surtout aller plus loin, parce qu'il a l'idée d'aller plus loin, et d'aller plus fort, et d'aller plus haut, sans le Tipeee, il pourra pas le faire, quoi. Et je pense que je crois pas me tromper en me disant qu'il n'a pas envie de le faire à moitié. Il a envie de le faire à fond. Ou alors, si c'est pas pour le faire à fond, je pense que voilà, il aura du mal à garder. Voilà, donc Iggy TV, les copains. Voilà, de toute façon, tous ceux qui n'auront pas typé Iggy TV, quand ils reviendront sur le live, je les gronderai. Voilà. Non, mais c'est comme ça. C'est tout, les gars. C'est tout, c'est comme ça. Bon, et blague à part, on a fait notre petit pied en plus là. Un peu trop marqué là, j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'ai mis de l'ombrage où il fallait de la lumière. J'ai fait Port Nawak. Mais c'est bien de montrer Port Nawak aussi, regardez. Vous voyez? Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que là où j'ai du noir, je devrais avoir du blanc. J'ai fait n'importe quoi. Je vais rattraper ça avant qu'on se quitte, parce que sinon je vais partir sur une défaite dans mon esprit. Et c'est pas normal. C'est pas viable. Donc je vais recouvrir ce truc noir tout dégueulasse, non? Voilà. Ah, c'est déjà mieux là. C'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est un peu mieux là. Hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Il y a encore un peu de gris là, qui a rien à foutre là, qui dépasse. Oh là là, le raté, dis donc, la boulette. C'est n'importe quoi. Hein. C'est honteux même. C'est honteux, j'ai honte de moi là. Franchement, je me sens. Oh là là. Mon Dieu. Horrible. Oh là là, qu'est-ce que c'était moche.
Ah, j'en ai des nausées, dis donc. Oh, ce NMM inversé là, oh, je sais pas si je vais m'en remettre. C'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, les gars. J'essaie de rattraper le coup là, mais c'est pas facile, hein. Et vous savez quoi? Je vais faire du micro-texture sur les bottes aussi, puisque j'ai oublié. Enfin, c'est Bane quoi. Donc, le gars, il est pas en ambiance. J'arpente les salons de thé où je mets des chaussures de sécurité comme les mecs de la DDE, alors qu'en fait, on est à 5 pour faire un parterre de fleurs municipal. Je n'aurais pas dû dire ça. Il y a peut-être des mecs de la DDE qui nous regardent. Donc, voilà. Enfin, bref, il n'a pas des chaussures coquilles en bon état. C'est pas crédible. Donc, on va faire un peu de pète là, dessus. Alors là, le but, c'est quoi? C'est de prendre un pinceau fin et des petits traits fins. C'est finachou, hein, ça doit être voilà, fut, vous voyez, des petits trucs comme ça, et pas réguliers. Pouk, pouk, hop, voilà, et de différentes luminosités, du lumineux, du moins lumineux, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Hein, on va s'en faire là aussi 2-3, et puis les gars, ben, à un moment donné, il va falloir se quitter, quoi. Voilà, je vais refaire un peu là. Aussi, une petite croix. C'est toujours bien les petites croix. Voilà, là aussi, on peut en faire sur la ceinture. Hein. Très léger. Vraiment, parce qu'on n'a pas une grosse surface. Hein, donc, il faut pas déconner. Voilà, les gars. En tout cas, merci pour ces mots. Non, mais c'est sincère, hein, Iggy TV. On s'est croisés une fois. Donc, je te connais plus à travers tes vidéos que dans la vraie vie. Mais comme on dit. Ton regard ne ment pas. Et je pense sincèrement que tu es quelqu'un qui mérite d'être aidé par rapport au projet que tu veux faire. Attention, pas la gamme miniature. Alors je lis vite fait, tiens, ce qui s'est échangé. Bon, ouais, et je vous montre déjà ce qu'on a fait. Alors on a fait quoi? Pff, pas grand-chose. Hein. Si, on a quand même bossé, on n'a pas rien fait. Hein. On a fait. Bon, la peau s'était fait avant, hein, on peut se la raconter. On a fait ceinture, on a fait pantalon, on a fait NMM genouillère, on a fait NMM coque chaussures de sécurité, on a fait les bottes, on a repassé nos gants, on a basé. Oui, on n'a pas rien fait. On n'a pas rien fait. On n'a pas non plus boosté comme des tarés, mais on n'a pas rien fait. Voilà. Donc, prochaine fois, on continue, les gars. Hein? On continue notre. Voilà, et on fera du NMM sur les bracelets, les gants, du cuir, et là, du NMM là. Alors là, le NMM là, il va être intéressant à faire. Là, je vais en chier. Parce que là, il y a plein de petits détails. Comment on gère le NMM sur des zones hyper détaillées comme ça? Parce qu'on peut vite se perdre. Eh bien, l'idée, en fait, je vous tease, c'est d'ignorer les détails. Au début. On finit là après. Mais au début, on ignore les détails. On analyse ça comme étant un cercle en métal, point barre. Et après, on s'intéresse aux détails. Mais ça, on le verra ensemble. Hein. Je vous montrerai comment moi je le fais. Et puis, si vous avez envie de faire comme moi, faites comme moi. Si vous avez envie de faire comme quelqu'un d'autre, faites comme quelqu'un d'autre. Si vous trouvez que je fais de la merde, vous me le dites, j'ai rien à faire, moi. Ok? Hein? Voilà. J'ai 42 ans maintenant, moi, c'est bon. Oh. Donc, je vais mettre en place le Discord aussi, les copains. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Et après, on se dit ciao, hein, les gars. Star Trek. Vers l'infini et l'au-delà. Trop nul, rien à voir. C'est pas du tout ça. Ça, c'est Buzz. C'est quoi Star Trek? C'est un voyage, destination auquel ils n'arrivèrent jamais. J'aimais bien Star Trek, moi. Journal de bord du capitaine. Les mecs qui sont dans l'univers. Hein. Le truc réputé être le plus grand au monde. Hein. L'univers, tu peux demander à n'importe qui s'y connaît un peu, c'est ce qu'il y a de plus grand au monde, l'univers. Ok? Eh ben les mecs, dans ce truc qui a le plus grand au monde, en se baladant, en étant un tout petit vaisseau de merde, une fois tous les 2-3 jours, il leur arrive une tuile. Alors qu'ils sont censés voyager dans le vide. Donc à chaque fois, tu as journal de bord du capitaine, on est jeudi. Mercredi dernier, on s'est fait attaquer par un peuple violet qui mange les genoux des humains. Par exemple. Là, on est vendredi, on est tombé sur une race de plantes carnivores qui mangent les vaisseaux. Journal de bord du capitaine. On est vendredi, on est tombé sur une pyramide qui nous a fait passer dans un monde parallèle où on a rencontré des gens tout petits qui parlaient très fort et du coup qui faisaient exploser les tympans des humains. Tout ça en une semaine.
C'est pas crédible. Mais qu'est-ce que c'est rigolo. Alors, l'espace ultime, frontière, espèce de nous, bah ça va, mais moi je passe pas mon temps devant la télé, moi. Ah, moi je bosse, moi je fais partie de la France qui se lève tôt, moi, monsieur. Non mais arrête, tu peux pas dire ça, c'est trop gênant. Mais si, je le dis, en tout cas merci pour ces mots, mais pas de problème. Mince, j'arrive à la fin, bah ouais. Je sais que t'es un couche-tard, toi, hein, parce que la dernière fois j'ai vu ton live, tu m'as fait coucher tard, hein, mon cochon. Oh là là, et non. C'était intéressant, mais. Bon, si tu nous abandonnes, je souhaite une bonne nuit à tous. Tu arrives à estimer à l'avance le temps que tu vas passer sur une figouse avant de commencer? Pas du tout. Alors en plus, en live, c'est très particulier parce que en live. Enfin, si, pas du tout. Si, quand je peins pour de la commande, je sais à quelque chose près de plus en plus maintenant le temps que ça va me prendre. Notamment quand c'est de la figurine qu'on me demande sur un niveau standard ou niveau 2, 3, maxi. Après, là où c'est plus compliqué à estimer, c'est quand on va aller sur des grosses pièces, donc évidemment avec assemblage, etc., et sur des gros niveaux de peinture, où là, effectivement, c'est un peu plus difficile à estimer. Et alors, même si j'ai pas l'air là, hein, absolument pas du tout d'ailleurs, j'ai pas l'air du tout, je peins plus assez rapidement. Sauf que ça se voit pas du tout en live, parce qu'en live, je traînasse, mais alors, je traînasse ça normalement. Ouais, en 4 séances. En 5 heures, je pense, je le termine à un bon niveau de peinture, 4-5 heures, je pense. Mais là, en live, je traîne à ce moment, comme ça. Mais bon, t'es, c'est pas pareil hein, en live, hein. T'es moins à l'aise. Toy Story, tout à fait, l'espace ultime frontière, oui, ça va, j'ai compris. Oui. C'est pas pire que Cosmos 1999, où les gars voyagent à 30 000 km/h. C'est vrai que c'est pas pire. C'est assez rigolo, ça aussi. Merci pour la vidéo et à la Proxima Semana, tout à fait. Donc, semaine prochaine, jeudi 21 h. Alors, est-ce que 21 h c'est bien ou vous préférez 21 h 30? Parce que j'ai l'impression que vous êtes des couche-tard. Parce que là, on arrive dans l'été, 21 h, il fait encore beau. Je sais pas, vous avez une préférence pour 21 h ou 21 h 30 pour commencer? Moi, je peux faire les deux. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Hein, voilà, ou un message, ou ce que vous voulez. Voilà. Yep, je viens de finir de coucher les filles. Ego pour quelques heures de boulot. Et ouais, IGTV, bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, t'as deuxième vie qui commence. Ta vie de youtubeur. Donc, bah écoute, voilà. Donc, je vous embrasse tous. Je vous fais un gros bisou. On était assez nombreux. On a fait une belle pointe à plus de 20, là, je crois. C'était sympa. Et moi, 23 h 30, c'est parfait. Ah ouais, t'es un couche-tard, toi. Et à mes gens couche tard. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, ouais, c'est bien pour ceux qui se lèvent tôt, Elisabeth. Bon, bah alors, hey, Elisabeth, je crois, je pense que c'était peut-être la seule fille qu'on a eue ce soir. On va avoir la galanterie, la courtoisie de répondre à la demande d'Elisabeth. Donc, allez, on reste sur 21 h. On se voit jeudi. Et on continue Bane, hein, parce que c'était le deal qu'on s'était fait. Je vais peut-être faire 2-3 retouches de mon côté, mais je vous promets, ce sera que de la retouche, c'était ou alors du basage, juste pour avancer notre travail. Ou peut-être pas, hein, je vous dis ça, si ça se trouve, j'aurai pas le temps. Et puis voilà. Allez, de gros bisous les copains. Portez-vous bien et merci à vous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas de faire un petit tour sur le Tipeee et les vidéos d'IGTV si vous ne connaissez pas. Bisous, ciao.